Ouais, ouais, ils sont mieux. Ils sont mieux, ces micros. Yeah. De retour sur ce cours central de Saint-Georges de Dillon. Il est 16h22. Le remblai est quasiment rempli. Les tribunes commencent à l'être également. Et nous allons assister aujourd'hui à la première finale de ce BT400. 35 000 $ de Saint-Georges de Dillon. Les joueuses sont à l'échauffement. On vous les présentera dans quelques instants. Et pour le moment, on vous laisse patienter avec un entretien exclusif de Nicolas Giannotti. On vous met quelques petites séquences. Régalez-vous. T'aurais dû voir la semaine dernière, à part nous, il était stressé comme jamais avant le match. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que moi, j'étais déjà numéro 1. Et lui, pour un tournoi, il n'était pas.
Et il savait que si on perdait, il ne serait jamais. Enfin, il ne serait pas, ou peut-être jamais. Et du coup, il me disait, Nico, s'il te plaît, joue bien. Il avait peur que je ne joue pas bien, exprès pour le faire perdre et pour que je reste numéro 1 tout seul. Il avait un peu cette pression. Et je sais qu'il le disait un peu en vanne, mais pas vraiment. Il le pensait, il avait peur que je le fasse, que je fasse un peu l'abruti et que je fasse l'enculé, mais je l'ai pas fait. Et donc on a très bien joué et il était très très stressé. Et là maintenant il est relâché, peut-être un peu trop même. Là j'ai l'impression qu'il est vraiment venu en mode vacances. Et on va voir hein, demain ou même les autres jours si on arrive à passer demain. Mais... On peut voir un sacré Mathieu en dilettante qui va tenter champagne. Je pense qu'il va sacrément jouer champagne, donc je pense que c'est pas un mauvais tirage de nous prendre demain ou samedi en tout cas, ou vendredi. On n'est pas du tout pareil, on est totalement à l'opposé, mentalement, dans le jeu aussi, mais c'est ce qui fait aussi un peu notre force des fois, tu vois. C'est que sur le jeu, déjà dans le jeu on est très très complémentaires, on a entre guillemets les types parfaits pour joueur de gauche et joueur de droite, théoriquement pour le beach, donc ça c'est nickel. On sait qu'on peut bien jouer ensemble, c'est pour ça qu'on reste ensemble. Après, mentalement, on est très différents dans du terrain et des fois on a du mal. On est franchement un couple. Franchement, j'ai beaucoup plus d'embrouilles avec lui qu'avec ma chérie. Mais franchement, on est vraiment totalement sur des rythmes différents. Et on essaye de gérer ça, mais on est capable, en fait, on sait qu'on est le meilleur partenaire pour l'autre. Et donc, en fait, c'est cette envie de gagner, cette haine de perdre qui fait que on reste ensemble. C'est pas parce qu'on est les meilleurs ennemis du monde, pas encore, tu vois. On a une amitié aussi assez forte parce que ça crée des énormes liens sur le terrain. Mais c'est pas ça qui nous retient, c'est vraiment qu'on sait qu'on est forts tous les deux et on se respecte énormément pour ça en se disant moi je sais exactement qu'il est fort, lui il se dit pareil de moi, même des fois on se surestime peut-être un peu trop. Tu vois, moi je pense des fois qu'il est plus fort que ce qu'il n'est vraiment et lui peut-être pareil. Mais c'est peut-être aussi notre force qui fait que des fois sur des moments on se dit il est vraiment fort mon partenaire et tu vois, y a beaucoup de gens qui me disent ouais peut-être toi essaye de changer. Je dis non, c'est lui le plus fort. Et ça fait notre force peut-être aussi le fait de croire qu'on est les meilleurs. Je crois que j'ai le meilleur joueur de droite avec moi, tu vois. C'est peut-être lui se dit qu'il a peut-être le meilleur joueur de gauche avec lui. C'est notre force. J'aimerais. Foncièrement, sur le fond, je suis d'accord. Après, il y a toujours des bons côtés et des mauvais côtés, tu vois. Parce que là, à l'heure actuelle, les deux mecs avec qui je pourrais jouer dans le circuit, c'est Gaëtan et Eric Garrigue, les deux. Ils sont dans le top 10. Le petit problème, entre guillemets, que j'ai, c'est des fois que je pense que je suis trop pote avec eux. Tu vois, et donc du coup, je peux leur dire trop de choses. Et on peut se dire trop de choses. Tu vois, je jouais avec Gaëtan, on s'engueulait beaucoup trop sur le terrain. Et à un moment donné, on s'était même dit tous les deux, ça ne sert plus à rien qu'on joue ensemble. Tu vois, il y a les côtés, ce côté-là qui peut être un peu dur. Avec Mathis, c'est un peu côté plus professionnel, truc, une culture étrangère aussi. Mais moi, j'adorerais jouer avec un Français. Mais pour l'instant, ça marche tellement bien avec mon partenaire. C'est dur de me dire, je vais prendre un risque de jouer avec un mec qui est théoriquement, pour moi, peut-être un peu moins fort. Ou moins bien classé, pourquoi prendre un risque alors que je gagne avec mon partenaire actuel, tu vois. C'est très compliqué dans ma tête de me dire ça. Pour l'instant, c'est trop dur de prendre ce risque mentalement. Je ne suis pas prêt à l'accepter de me dire, si je perds avec mon partenaire actuel, tu vois. C'est très compliqué dans ma tête de me dire ça. Pour l'instant, c'est trop dur de prendre ce risque mentalement. Je ne suis pas prêt à l'accepter de me dire, si je perds avec Mathieu ou Théo, je me dirais que j'ai fait une erreur énorme et alors, peut-être pas, peut-être que je peux gagner avec eux, même gagner plus. Mais pour l'instant, j'ai du mal à... Je sais ce que je perds, je sais pas ce que je gagne, tu vois. Je suis pas prêt à ça. Quoi. De retour ici, sur ce cours central, vous avez pu écouter quelques extraits de Nicolas Giannotti. Un entretien à retrouver prochainement en intégralité, en exclusivité, sur la page YouTube de Versus. Mais pour l'heure, voici la première finale d'âme, comme je vous le disais, et je vais être en compagnie de mon fidèle partenaire de commentaires, Hugo Kilissi. Salut Hugo, comment ça va ? Salut à tous. Écoute Max, très heureux d'y être. Hein. Nous y sommes, cette finale, la première finale de la journée. Là, on a un programme corsé, chargé, comme vous voulez, qui nous attend. Et on a hâte de voir les artistes en découdre. Et Paty Diaz qui fait les derniers réglages au service. Diaz Miller que vous voyez à l'écran, qui ont eu un parcours, on va dire, assez net, sans concéder le moindre set depuis ce premier tour. Elles ont éliminé Lola Barreau, Alice Grandi en quart de finale.
6-3, 7-5, et hier elles se sont imposées, on vous l'avait dit, face à Flaminia, Diana et Nicole Nobile, 7-5, 7-5. Leur adversaire Shimachi Gaspari ont elles concédé un set hier en demi-finale face à Sofia Shaw et Vittoria Marchesini. Elle s'impose hier 18 au Super Thai, et avant, en quart de finale, elle s'était défaite de Marcela Vita et Julia Noguera sur le score de 6-2, 6-4. Aujourd'hui, on va avoir une grosse confrontation. Jour de finale, on a la crème de la crème sur ce terrain égo. Ouais, on reviendra sûrement sur la demi-finale d'hier là, entre Diaz et Miller et Diana Nobile. Un match assez étrange, hein. Diana et Nicole qui ont mené 5-2 dans le premier set et 5-0 dans le deuxième, et qui ont perdu les deux sets. Donc je pense que c'est une défaite vraiment difficile à avaler pour les deux joueuses qui viennent de reconstituer leur paire d'antan. Et malheureusement pour elles, ça fait mal à la confiance. Quand on se remet ensemble comme ça, c'est difficile d'enchaîner les défaites, et elles n'ont pas réussi à avoir de vraies victoires significatives jusque-là. Et je pense que c'est un peu ce qui joue sur ce match. Elles sentent que ça file dans l'autre sens, et malheureusement elles s'effritent un peu. Diaz et Miller qui sont toujours d'une constance remarquable, Rafa Miller au service. Et Rafa Miller qui a gagné le tirage au sort par un Shifumi, et qui a choisi de servir, premier point de cette finale. Et elle est magnifique, premier lob sur Shimachi qui se touche l'épaule. Elle a été prise dans son dos, littéralement 15-0 dans ce premier jeu. Ouais, Shimachi qui a vraiment un physique, même avec Gaspari, qui ont peut-être les deux physiques les plus explosifs et intéressants du beach féminin aujourd'hui, hein. Vraiment deux athlètes, là on sent qu'elles sont préparées physiquement, cette balle qui va sortir. Ces deux athlètes là en face de Patty, Rafa. Évidemment Patty est une athlète vraiment complète, mais elle est un peu moins impressionnante parce que plus petite, donc forcément elle saute très haut, mais après on sent que c'est un peu moins, elle court un peu moins de terrain malgré tout. Et donc je reviens à Julia Gaspari qui, elle, pour moi, est peut-être la meilleure joueuse, hein, sur ce circuit féminin, Max, individuellement. J'ai du mal à lui trouver des défauts, elle sait tout faire, elle est vraiment constante, elle a gagné tous les titres. Ah, le choix du bras roulé là, qui le met dans la mouise. Et elle sort, oh là celle-là, là, mais là, c'est là, du très très là, lourd, là, c'est là, du très là, très là, lourd là, ce que là, nous proposent les quatre joueuses sur ce début de rencontre. Vous avez vu, les rallyes commencent à s'accumuler, les joueuses prennent le temps de se jauger, de faire bouger l'équipe adverse. On se régale techniquement et tactiquement sur ces premiers points, Hugo, ça annonce du très très bon. Ouais, quel œil de Gaspari là, qui a laissé passer cette balle, une balle à la Matrix, hein, vraiment, qui lui est arrivée en plein dans les hanches. Elle a réussi à ouvrir pour se protéger et ne pas la toucher, incroyable. Et elle cette sort. Balle qui sort encore d'un souffle, encore jugée là de la part de Gaspari. Impressionnante d'entrée là, quel œil vraiment. Clairement Max, je vais pas vous mentir, c'est ma joueuse préférée, hein, sur le circuit féminin. Il y a très très peu de joueuses qui savent se matcher, sauter comme ça avec une telle main, je trouve. Elle a une technique incroyable, cette Julia. Elle va nous en faire part. Et voilà, le premier smash sauté là. Quel lob encore, c'est bien posé milieu. Deuxième smash, quelle défense. Ah, quelle maîtrise de la part de Shimachi et Gaspari qui break sur ce premier jeu. Elle tourne à 1-0 en leur faveur. Et on a déjà de quoi se régaler. Ouais, petit vent de dos encore là aujourd'hui, latéral de dos là-bas du côté où Rafa Miller a servi. Donc là, pas d'inquiétude quand on perd ce jeu. On sait que ça va être un jeu difficile à faire. On a vu les deux Italiennes user beaucoup des lobes là dans la diag pour profiter du vent et mettre en difficulté Patty Diaz, hein, car évidemment on le connaît, la tactique c'est quand même d'aller chercher Patty Diaz derrière. La question c'est à quel moment et en fonction d'où est Rafa. Là, elles ont vraiment réussi à manœuvrer et faire 3, 4, 5 matchs avant de finir le point patiemment. Le point qui a failli leur filer entre les doigts, Max, hein, quand Shimachi a fait ce choix de bras roulé là, un moment dans le point, j'en ai parlé.
On aurait aimé la voir faire un smash. C'est vrai qu'elle est vraiment pas en confiance au smash depuis. Ça a toujours été le bras roulé vraiment plus à l'aise pour elle. Et malheureusement, je pense que ça, c'est une arme, mais sur la longue et à ce niveau-là, ça peut un peu la desservir. Je pense qu'elle est capable de se matcher, mine de rien. Allez, premier service de Gaspari. Encore une autre lob sur Patty, là, derrière. Regardez ce bras roulé, il est glissé, il est très bon, celui-là. Et elle a annoncé faute, justement, de la part de Patty. Rafa qui laisse cette balle tomber en largeur. Et 0-15. Julia Gaspari, numéro 1 mondiale au service. Allez, celle-là, elle est tranchée. Elle sort du terrain. Même les meilleurs hein, sont capables de mettre la balle sur le parking. Et on parlait de Julia tout à l'heure, tu le disais, numéro 1 mondial. Incontestée, elle a 31 ans, ex-joueuse de tennis sur le circuit. Elle était 390e mondiale au mieux de sa forme. Et elle nous montre sa capacité à s'adapter au beach tennis d'un point de vue technique et tactique. Vous allez voir, ouvrez grand les yeux. C'est du pur spectacle. Julia qui a 5 titres de champion du monde, 5 titres de champion d'Europe, 9 titres au championnat italien et au total 48 titres ITF dans sa carrière. C'est du très très lourd. Et ce retour qui sort, annoncé faute, oui, par l'arbitre de chaise qui sort bien en largeur. Et 30 ans. Elle a vraiment une élégance et une aisance technique comparée aux trois autres joueuses hein, qui sont très fortes. Je trouve que Patty a vraiment une technique très très propre aussi. Et quel toucher, elle est parfaite. Et bien joué de la part de Rafa Miller qui optimise ce bras roulé. Elle est venue faire un son step vers l'avant, prendre la balle devant elle. Et cueillir Gaspari sur ce bras roulé. Belle défense offensive de sa part. Oui, Rafa, à l'inverse, hein, qui a une technique pas très académique quand même, Max. Hein, un geste, une technique au smash, au service assez étrange. Elle est très de face, elle prend des balles montantes. C'est pas forcément ce qu'on apprend à l'école. Alors regardez Rafa qui a couvert. Le terrain était vraiment ouvert là sur la défense. Gaspa qui avait fait encore un très bon lob sur Patty, qui avait fait une vraie diff là. Et un smash un petit peu haut qui a surpris Gaspari. Elle s'attendait à une trajectoire peut-être plus rasante. Oui, alors là, vous allez voir, hein, beaucoup de jeux de service perdus chez les femmes, mais parce qu'en fait, ce service donne beaucoup moins l'avantage. Hein. Souvent, on se retrouve à jouer une balle basse après son service, et au final, une balle basse dans les pieds, c'est plus dur hein, qu'un retour à faire pour les filles. Et surtout quand elle est dans la course, la balle basse, elle est très dure pour pouvoir s'ajuster, ralentir, se stabiliser, et ensuite produire une trajectoire parfaite. Mais c'est ça, vous avez la réception du service, plus 3-4 pas pour Patty, c'est peut-être même 5 pas pour arriver au filet. Donc imaginez là, la difficulté quand on sert un peu moins bien. Regardez là, elle joue une balle très basse tout de suite, elle est obligée de lober. Quelle défense. Et bravo les Rafa qui rentre. Rafa qui prend tôt, Gaspa un bout de raquette qui contre-lobe, out malheureusement. Et vous allez voir ce coup à maintes reprises, ce bras roulé lobé lors de cette finale femme. Et celle-là, elle sort pour le coup de quelques centimètres, bien jugée, et 15-0 du côté de la paire vénézuélienne. Vénézuélo-brésilienne. Pardon. Oh là non, cette balle qui passera pas, effectivement. Patty qui vit au Brésil maintenant, hein, qui est d'ailleurs, qui partage sa vie avec Rafa Miller, hein, une équipe de joueuses qui sont donc en couple dans la vie. Et donc, qui s'entraîne au Brésil, je ne sais pas exactement dans quelle ville. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'elles s'entraînent ensemble toute l'année et qu'elles ont actuellement, j'en parlais hier déjà, leur coach Paolo Tazzari, qui lui vit en Italie. Donc imaginez hein, les déplacements que ça engage et l'organisation que ça représente de s'entraîner avec un coach italien quand on est vénézuélienne et brésilienne et qu'on vit au Brésil. Des joueuses qui ont quasiment le même âge. Rafaela Miller, la brésilienne de 30 ans, et Patty Diaz en a 32. Elle est bien servie. Oh là là, qui lâche en face, Michael. Bien
imposé. Oh, le lobe revers qui est bon, elle attendait. Et malheureusement, balle qui reste dans le fil là, mais un point bien mené des deux côtés. Là, c'est solide, ça rééquilibre souvent hein, le rapport de force. C'est vraiment cette capacité qu'ont les femmes là, peut-être à moins finir, mais surtout à trouver l'espace en défense et à prendre une vraie opportunité. Vu que les matchs sont un peu moins tranchants, ça leur laisse vraiment un choix, une possibilité. Allez, vous allez voir, vous allez pouvoir apprécier les phases d'équilibre, de déséquilibre pendant le même point. Ça va être un combat tactique, restez attentifs sur ce match. On va se régaler, je pense, dans le contenu. On est en train d'exploser les viewers, Max, c'est un délire là. Bien rentré de la part de Sofia. Et premier deuce de cette finale du BT400, c'est sur le service de Patty Diaz. Alors, petit problème technique au niveau du scoreboard en haut à gauche dans votre écran. On est sur le coup, on règle tout ça dans quelques instants. Ah, et celle-là, elle sort. Belle vénézuélo-brésilienne. Tu parlais des conditions, Hugo. Aujourd'hui, le vent est plutôt stable. C'est féminin sur versus. On a eu un match qui nous a filé sous le nez hier. Et là, on va pouvoir les voir en intégralité. Et premier service sur la ligne entre les deux joueuses de la part de Sofia, qui sert de gauche. Oui, donc là, hein, le plateau clairement qui nous est proposé pour ce premier match féminin du tournoi ITF sur Versus est assez exceptionnel parce qu'on a 4 joueurs qui ont été numéro 1 mondial hein, dans leur c'est carrière. Vrai, tu fais bien de le noter, Hugo. Les 4 joueuses, hein, j'attendais un peu pour vous donner l'info. Mais c'est vrai que là, que vous ne soyez pas trop influencé par le classement et que vous puissiez juger par vous-même. Mais bon, c'est vrai que là, à un moment... Il faut quand même prendre cette information en compte. Hein. On a 4 joueuses qui ont été numéro 1, qui ont gagné les plus gros tournois ensemble, séparément. Patty qui avait déjà performé pendant des années avant de jouer avec Rafa et qui s'est vraiment stabilisée parmi les 2 ou 3 top pairs du moment depuis qu'elles jouent ensemble, là, depuis je pense 3-4 ans. Sofia Cimatti et Gaspari qui ont déjà gagné beaucoup ensemble mais qui ne jouaient plus ensemble récemment. Malheureusement, cette balle qui lui échappe, sûrement due au vent, la balle qui bouge un peu, ça devient difficile quand la balle est assez loin du fond là d'envoyer, surtout pour les filles, même si Rafa est très grande. Hein. Donc Gaspari et Cimatti qui ont réassocié leur père, Carnini Valentini, la vraie partenaire de Gaspari, a dû se faire opérer de l'épaule. Nicole et Sofia ont décidé de changer de partenaire. Elles jouaient ensemble l'année dernière, Nicole Nobile et Sofia Cimatti. Elles ont décidé de casser la paire. Elles ont eu plusieurs contre-performances. Leur équipe qui ne fonctionnait plus après avoir très bien fonctionné en début de saison. Et elles ont fait le choix de changer pour peut-être pas se déchirer. Des fois, c'est mieux hein, ce choix. Alors, et quel ace, service et en ace. Face sur la ligne de Patty Diaz. Sofia qui met son deuxième ace à son compteur. Et elle recolle avec Julia à 2 jeux partout, désormais. Allez, vous pouvez apprécier la trajectoire de balle sur ce replay. Et oui, comme tu le disais Hugo, Gaspari et Cimatti qui se connaissent très bien puisque c'est une équipe qui a remporté plus de 9 titres, je crois que c'était 10, en 2019 toutes les deux. Donc elles se connaissent par cœur. Oh, les lobés qui reste dans le terrain, bien défendu de la part de Julia, très bien touché encore une fois. Cimatti qui contre-lobe, grande diagonale, et relobe milieu. Oh, les balles qui touchent le fil, elles sont en face d'elle. Ce vent qui freine cette balle à chaque fois, là, regardez bien comme elle reste dans les airs à chaque fois. Et celle-là, elle reste dans la raquette.
Et un vrai rallye comme on les aime hein, dans le circuit féminin. Il y a eu du lob, mais il y a eu aussi des attaques, il y a eu des défenses depuis le début de ce match. C'est quand même assez offensif comme style de jeu. Hein. Et c'est très plaisant à regarder puisqu'on a toutes les trajectoires à la fois bombées, tendues. Et puis lors d'un même point. On a clairement un vrai équilibre hein, donc, dans cette partie-là, peu importe hein, qui est numéro 1, qui est numéro 2, 3, 4, ça joue dans le top 5 ici pour tout le monde. Et vraiment, ça va être la forme du jour qui va faire la différence, pas le classement, pas le niveau de jeu, car on sait pertinemment que les 4 joueuses sont capables d'atteindre un niveau de jeu très élevé, voire le même niveau de jeu très élevé. Donc ouais. Ça va vraiment se jouer au choix tactique, à la forme physique du jour, à la fraîcheur mentale. Et au niveau de la dynamique, c'est vrai, on en parlait, Miller Diaz sont sur une lancée très, très positive. Depuis que Gasparri et Nini sont absents. Ont déserté, exactement, les tournois, elles ont enchaîné les victoires. Et des victoires aux Canaries en Sand Series. Et une victoire surtout ensuite au World Championship individuel. Et encore un Sand Series à Brasilia où elles se sont imposées contre Diana Nobile. Cette team est en forme, mais Patty Diaz nous a déclaré qu'elle était touchée, physiquement fatiguée et aussi atteinte à l'épaule. Elle a passé beaucoup de temps dans la tente kiné avec Baptiste Jourdain. Il était aux petits soins à voir comment son épaule se porte aujourd'hui. Pour l'instant, en tout cas, égalité parfaite, 2-2, pas de signe particulier au niveau de sa blessure. On espère avoir un combat au sommet et un état de forme. Ah, les joueuses qui sont un peu frustrées, là, Sofia et Gasparri, qui ont l'impression de se faire que l'arbitre se trompe sur ce coup-là. Une balle qui semblait out hein, de mon angle de vue, après avec le vent et avec la ligne sur le côté, je ne peux pas me prononcer, je ne vois pas la ligne exactement, mais la trajectoire me paraissait un peu large. Et moi je ne peux plus juger la ligne latérale depuis que la juge de ligne s'est mise devant, je n'ai pas vu cet impact. Hugo. Elle a été donnée bonne, je pense, au final. Là, l'arbitre a changé d'avis. Celle-là, elle sort. C'est une balle faute, 30-40. Encore une balle de break sur ce jeu Vando. Hein. Pour l'instant, les deux joueuses qui servent Vando, qui sont des très très bonnes serveuses, hein, n'arrivent pas à trouver la solution pour gagner ce jeu. Bien servi, très bon lob, là, prise de balle tôt. Et Shimachi Gasparri qui passe devant 3 jeux à 2 dans cette finale. Changement de côté et retour des raquettes pour le public sur le tremplin de Saint-Georges. Les Saint-Georgeais et les Saint-Georgeaises et les touristes profitent de ces petits goodies envoyés tout bonnement par le staff. Allez, retour sur le court. Et quel retour sur ce let. Quelle défense. Et ça revient derrière. Shimachi et Shimachi qui se prend les pieds dans le tapis dans cette course arrière qui a mal jugé ce lob, cette trajectoire, elle s'est retrouvée un petit peu en avance, elle avait enclenché le bras roulé, cette balle qui finit dans le milieu du filet, Hugo. Ouais, ce lob dans la diag là est vraiment à prioriser avec ce vent de côté qui rentre là, le but étant de freiner la balle. Non,
on freine vraiment cette balle là-bas. C'est difficile à négocier. Elle bouge dans tous les sens. Bien servi là. Ah, magnifique. Bien très bien joué de la part de Rafa qui conclut avec autorité sur ce rush et qui serre le point. 15 à. Alors, on a beaucoup d'amis brésiliens qui suivent ce match-là. Je vois beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de gens, 1200 personnes là qui suivent. On se doute bien qu'il n'y a pas que des Européens. Bom dia, amigos brasileiros. Espero que você gostar o jogo e a transmissão, a qualidade da câmera e tudo. Fala nos comentários para dizer que você pensa, que você acha. Aïe, petite erreur là. Et Diaz, Miller qui prennent le service de Julia Gasparri sur cette faute. Et elle recolle désormais à 3 jeux partout. 2 équipes qui ne se quittent pas pour l'instant au score. Elles sont au coude à coude dans ce premier set. Service Patty. Et bien annoncé, bien jugé très, de la part de Patty. Très proche de la ligne, mais ça sort, bien jugé. Você precisa aprender francês agora se você quer ver un bon streaming. Bien servi, belle trajectoire qui replonge sur le coup droit de Julia et elle en profite pour changer de côté. Shimachi passe à gauche, Julia à droite. Ah, magnifique choix de la part de Shimachi dans les airs. Qui s'est stabilisé avec ce saut à un pied derrière, qui a fait son choix avec ce petit slice dans la zone croisée. Patty qui est fixé loin de cette balle. Très beau ce match gagnant en toute douceur et en contrôle parfait. Quel retour bien arraché de la part de Patty et Shimachi qui conclut sur cette balle. Elle était dure, celle-là, après le service, bien jetée. Mais ça ne suffit pas pour inquiéter la paire 100% italienne. Et 30 à Hugo. Allez, balle de break là, bien servi, retour très court, une fois de plus, Patty qui joue bas après son service, Rafa qui pousse, encore une def, petit, oh, elle s'arrache, Gasparri, encore elle s'arrache, elle la touche pas malheureusement. Incroyable point, retournement de situation pour offrir un deuce important. On va vous partager ce clapping là. Allez, punto molto importante, agora. Patino Sake. Bom Sake no meio. Et bon retour. Et Shimachi qui décroît ce bras roulé. Et le saut, c'est le dunk de la part de Julia qui clôture ce point en toute beauté. Belle différence de fait de la part de Sofia sur son bras roulé décroisé. Vous avez vu le travail de cette main pour toucher cette zone. Et derrière, Julia qui s'élève dans les airs et qui pilonne. 4 jeux à 3 en faveur des Italiennes dans ce premier set.
Gaspari et à Jogadora, Mais Talentuosa do Circuito. Para Mim. Eh oui, tu peux le dire aussi en portugais, elle sait tout faire, on peut le dire dans toutes les langues. Ouais, clairement, tout le monde dans les commentaires là, c'est déjà ébahi du niveau de Joe Gaspari. Aussi ébahi de la qualité de la transmission apparemment, que des compliments. Merci à tous pour vos retours. On est vraiment content de pouvoir partager ça avec vous là, pour proposer une transmission de cette qualité après toutes ces années à avoir eu une difficulté folle à pouvoir regarder des matchs de beach tennis dans des bonnes conditions quand on n'a pas forcément l'occasion d'aller en tournoi, qu'on est chez nous le week-end. Et là on est en train de réussir enfin à proposer quelque chose d'intéressant. Ah, et pour tous ceux qui le peuvent, d'un point de vue technique, vous avez la possibilité de regarder cette vidéo en 1080p. N'hésitez pas, si la connexion vous le permet, le format est disponible en HD. Ah oui, il faut la caster sur la télé celle-là. Hein. Vous pouvez mettre ça sur grand écran, sur vidéoprojecteur, sur tous les supports numériques. Ouais, belle ace de la part de Sofia. Attention. Allez, Sofia Shimachi au service. 30-0. Oh là là, elle est parfaite, pleine ligne. Elle accroche la ligne en 5. Elle vient nettoyer le sable qui restait encore sur cette ligne latérale. Très bien servi. Là, attention, on est dans une dynamique où c'est quand même Patty à chaque fois qu'il va servir vent de face contre Shimachi. Et pour l'instant, Shimachi a l'air beaucoup plus à l'aise que Patty sur ce jeu de service vent de face. Là, elle a vraiment fait plusieurs services gagnants et quelques aces. Attention, cette balle qui sort, encore un service gagnant. Vous voyez, elle est vraiment en train de faire la différence avec ce service vent de face. Tout à l'heure, Patty qui n'a pas touché une seule balle haute après son service. Shimachi qui n'a même pas eu à jouer de seconde balle sur ce jeu. Donc vraiment la qualité du service qui est totalement en train de faire la différence dans cette première partie là de match. Allez, maintenant c'est Rafa qui va servir pour rester au contact. Voilà, c'est maîtrisé ce smash sauté. On a vu la balle bouger un peu et Gaspa qui a réussi à la maîtriser quand même malgré la trajectoire changeante. Ouais, bien adapté dans les airs. Ah, le let qui reste du côté de Patty et Rafa. Et le public qui pousse, qui se réveille tout doucement ici sur Saint-Georges. Très bien servi. Ah, belle interception. Belle interception de la part de Patty. Servi un peu facile peut-être. Au petit lift là. Milieu, ouais, bien lobé. Oh là là, quel lob parfait sur Patty et Rafa qui voulait la prendre en bras roulés. Elle le fait savoir à Patty, mais elles se prennent les pieds dans le tapis toutes les deux. Elles se gênent sur cette zone milieu. Il semblerait que Rafa et Patty se frustrent déjà là. On a vu Patty déjà s'agacer plusieurs fois. On a vu Rafa là relever les bras au ciel. Donc attention, là, moment important. Des balles de 7. Bien posées au milieu. Oh là là, quelle main pour aller chercher cette zone. Et c'est Shimachi qui était là pour faire la contre-cloche. Hein, là. Elle était prête à jouer un coup difficile, mais elle a jugé au dernier moment. Et elle a très, très bien jugé, là. Et premier set empoché. Pour les Italiennes, pardon, 6 jeux à 3. Ah.
Sofia Sumati, Saka Muito, Mirror, qui est Patti Diaz à Fringe do Vento et qui fait la différence en ce premier set. On va voir qui va faire nos prochains. Allez, nous allons commencer ce second set sur ce tournoi de Saint-Georges de Didonne sur la côte de beauté. Allez, Gaspari au service. Service filé là. Tamis deuxième. 15 à. 15 à, exactement. Dans ce début de second set. Allez, petit problème de rythme au service. Julia. Mais là, on se rend compte que c'est vraiment difficile de servir dans ces conditions. Pour que même Julia Gaspari, qui n'est pas une serveuse très percutante, mais qui a une vraie maîtrise de la balle, qui met beaucoup de rotation. Voilà, elle passe à gauche, là. Ah, celle-là est bien. Oh là 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 là, quel retour de Patti. Une balle qui semblait s'échapper, Max. Hein, donc c'est elle pas a voulu si mal retirer payé, la raquette. Comme certeza, Julia est minha jogadora preferida. Très bon service là. Et 30-40 dans ce premier jeu. Quel retour. Ah là, elle s'en sort, ce lob est très bon là. Regardez la défense. Ah là là, magnifique de Rafa. Bel enchaînement, très bon retour. Et belle finition de la part de Rafa sur ce match sur le coup droit de Julia. Elle n'a pas pu remettre cette balle qui était percutante et elle tourne à 1-0 en leur faveur, Patti et Rafa. Et le speaker qui réveille ce public pour soutenir Rafaela et Patricia, afin qu'elle puisse combattre. Agora Rafa va sacar para ir a French na este segundo set. Ma o vento é a favor, so va ser difícil ganhar o jogo. Et elle sort. Fora. Cet amorti de la part de Sofia. Quelques centimètres de trop en largeur. Et 15-0 pour Rafa et Patti. Oui, un moment clé, Max, là, de set. Hein. Ouais. Si elles arrivent à prendre ce jeu, elles prennent vraiment une bonne option pour se protéger, en tout cas, éviter de perdre ce deuxième. C'est vraiment le jeu difficile à gagner du côté là-bas. On peut le voir, elles sont toujours sur une situation de défense. Très bien ce matché de la part de Sofia, qui vient nettoyer la lucarne. Ouais, vraiment, les joueuses qui ajoutent toutes hein, ce match sauté à leur jeu, là, depuis quelques mois, quelques semaines même. On a vu un schématique qui a toujours ce match au sol toute sa carrière. Et là, elle est obligée un peu d'élever son niveau de jeu, de changer des choses, de continuer à évoluer, même malgré ça, son expérience déjà acquise jusque-là. Et là, on voit, elle monte, elle n'envoie pas forcément une cartouche, mais elle touche une zone très intéressante avec sa main, elle relâche bien le poignet. Oh là là, et ce lob parfaitement oh là là, joué magnifique. Qui élimine les deux joueuses. Là, c'est plus qu'un tonneau, Max, c'est une élimination, un headshot. Hein. Ouais, clairement, c'est un headshot, très, très beau coup de feu. Sofia joga muito, mas tem uma técnica que é um pouco très bien servi. Menos,
Bois qui est... Quelle défense. Qui est Julia. Quelle défense. Elle retourne la situation de ce point grâce à cette défense totalement improbable de la part de Gaspari. Très bien joué. De la part de l'italienne, la numéro 1 mondiale. Allez, Rafa encore en difficulté là sur son service. 15-40 pour recoller un partout. Peut-être qu'elle va essayer de prendre un peu plus de risques au service. C'est bien servi, mais tout de suite une cloche. Et là, c'est un penalty malheureusement. Bam. Rafa qui est un peu frustré, je pense, de perdre ce jeu systématiquement. C'est plutôt son arme normalement, le service. Et là, avec le vent, il faut accepter. Il faut accepter de le perdre et continuer à se bagarrer sur chaque jeu de service, Vando. Et espérer en arriver à trouver une vraie solution. Jusqu'à qu'un moment les adversaires fassent une ou deux fautes et qu'on puisse justement faire un petit service gagnant, un point finement joué et se retrouver à gagner ce jeu. C'est vraiment une des clés de ce match, hein. L'équipe qui arrive à gagner le jeu là-bas du côté du vent devrait avoir un avantage significatif. Attention à Sofia qui a très très bien servi dans ce premier set, une des meilleures performances que je l'ai vu faire au service pour l'instant, avec un peu de vent de face évidemment. Mais en servant de gauche comme ça chez les femmes, c'est rare de gagner son jeu aussi facilement avec autant de services gagnants, avec deux retourneuses de la trempe de Patty et Rafa. Très bien lobé au milieu, regardez. Ah, elle est belle, regardez. Celle-ci. Elle vient se loger juste devant la ligne. Un revers lobé. Splendide. Ouais, on sent Rafa qui commence à avoir des doutes, j'ai l'impression. Elle sait que derrière c'est Patty qui sert vent de face, mais bon, c'est reste Patty. Hein, donc c'est un choix étrange stratégiquement, je trouve, d'avoir fait servir Rafa là-bas. Je suis pas assez le circuit féminin, je vous avoue, pour prendre la notion du vent dans leur jeu d'habitude, qui se place où. Mais en tout cas, là, sur avec ce vent, je suis un peu étonné de laisser Patty servir avec cette grande jack qu'elle ne peut pas vraiment utiliser parce qu'elle n'a pas assez de peps, pas assez de jus dans ce service. Et je pense qu'une Rafa aurait vraiment pu s'appuyer sur ce vent-là et faire mal au service. C'est vrai qu'elle est en difficulté hein, sur ce côté de service. Rafa, tu fais bien de le préciser. Et celui-là qui finit dans le filet. Deuxième faute de service là déjà. Attention, petite alerte dans ce jeu 30A. Il faudrait pas en refaire une là. Shimati qui se rapproche du centre. Aïe, 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 je l'avais pressenti, cette troisième faute. Une troisième faute directe au service de la part de Sofia. Et ça fait 3 balles. Une trajectoire de service qui a changé sur ce jeu, hein, Max. Hein. Oui. Tout à l'heure, une trajectoire bien bombée. Elle a fait cette faute de service en longueur. Elle a essayé de corriger le tir. Malheureusement, ça ne l'a pas payé. Elle a corrigé le tir, elle a ralenti un peu. Voilà, plus haute, mais beaucoup moins de peps que tout à l'heure. Beaucoup moins d'angle. Et elle juge cette balle. Et elle reste. Attention. Ce bras roulé brossé dont on vous parlait hier. Patty le maîtrise à merveille. Elle a vu cette balle sortir, Sofia. Mais elle s'est ravisée lorsqu'elle a vu la balle toucher la ligne. 2-1 en faveur de Patty et de Rafa. Elle reste présente au contact dans ce second set et c'est ce qu'on veut voir. On veut voir un vrai duel, une vraie confrontation dans ce second set. Super tie-break ou pas, je vous dirais, peu importe, même si vous le savez. On aime, on apprécie à Versus les moments chauds, les super tailles. Mais ce qu'on veut, c'est du combat. Même si c'est serré en 2-7, on prendra quand même. Et je pense qu'on est bien parti pour avoir un second set qui ne sera pas à sens unique, Hugo. Oui, clairement là, un set qui risque d'être disputé. Hein. Maintenant, Patty qui a pris l'option là de servir avant de face avec le break, c'est pas pareil. Hein. On peut se relâcher, c'est un peu plus facile. Agora un momento muito importante no segundo set por Patty e Rafa que están a frente e que deve ganhar muito este jogo para securizar a situação. Non, ah, cette balle qui sort. Allez, Patty au service, 0-15, la petite erreur en lob de pas grand chose. Ah, cette fois elle joue la balle un peu plus tôt.
Elles arrivent à ne pas trop subir dans cette entame d'échange cette fois. Apathy qui prend l'avantage là. Très bien lobé. Oh, Rafa qui a continué à se déplacer, Max, là, en jouant. C'est vraiment pas ce qu'on préconise, là. Sur un coup du fond, là, surtout quand on doit sécuriser, il faut essayer d'être bien fixe avec les jambes, bien stable, en tout cas, ancré, pour pouvoir restituer l'énergie jusqu'à la balle, du bas du corps jusqu'au bout de la raquette. Et là, le vent qui sollicite Miller, qui l'oblige plutôt à s'ajuster jusqu'au dernier moment, mais son point d'ancrage, sa stabilité sur ce bras roulé lui a fait défaut. C'est toujours ce compromis, cette délicatesse entre les deux à s'ajuster au dernier moment lorsque la balle bouge en l'air. Posée là-bas, elle fait une vraie différence directement avec ce premier coup droit. Quelle défense, celle-là va sortir, dommage, parce que c'était très bien joué de la part de Julia Gaspari. La défense était belle, mais Shimaïti avait... C'était très gourmand de la part de Sofia Shimaïti, là. C'est un choix qui est monstrueux si elle l'a réussi, malheureusement. C'est vraiment compliqué à réaliser cette ouverture du poignet là vers l'extérieur. Une pronation, mais vraiment prononcée, là. Servi, c'est posé là au milieu. Oh là là, le lob est parfait, elle profite du vent. Regardez ce contre-lob juste derrière, visiblement, vu le visage de Rafa. Bien jugé, bien point jugé. Pour Rafa Miller, Paty Diaz. Allez, et primero momento, decisivo, do segundo set. 30 iguais. 2-0. Servi, touché, Rafa qui rentre et cette balle qui lui échappe. Attention, Rafa qui fait quand même quelques erreurs grossières. J'ai des doutes sur son attitude aujourd'hui. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé avant le match, mais on la sent pas aussi déterminée que d'habitude, Max. Hein. On la sent pas, on dirait qu'elle a un peu moins les crocs que ce que j'ai pu voir. Peut-être parce que c'est qu'un BT400 pour elle et qu'elle a déjà gagné beaucoup de tournois plus gros que celui-là. Je ne sais pas, mais en revanche, je la sens moins morte de faim qu'hier, bizarrement. Et 30-40. Bien défendu de la part de Paty, beau lob. Oh, très bon lob, là. Après avoir baissé la raquette au milieu du point, quand Paty a fait ce premier lob, Rafa. C'était bien joué, ça nous offre un 40-A. Iguais. Showtime. 2-1. 40-A. Ah là, oh là, sur le central, là. Central qui est pire que blindé, Max. Hein, c'est... Et celle-là, elle reste dans la bande. Elle peut s'en vouloir parce qu'elle était plutôt bien engagée dans cette course. Et ce S+1, comme on dit, ce coup après le service. Elle peut s'en vouloir parce qu'elle prend la bande et elle avait de multiples possibilités. Ce n'était pas la plus dure de ces balles à jouer après le service. Oui, c'est vrai, hein. Vraiment un style de jeu dont on a parlé au début, assez agressif des deux côtés. Forcément, ça engendre un peu des fautes. Et c'est ce qui s'est passé sur ces deux derniers jeux, là, avec 4 erreurs dans le jeu de Shimaïti et 3 erreurs dans ce jeu-là de la part de Rafa Miller et Paty Diaz. Alors évidemment, la prise de risque est assez élevée, donc on n'en est pas étonné qu'il y ait quelques jeux où elle passe à côté. Malheureusement, c'est ce genre de jeu qui fait la différence. Et là, attention à cette cloche. Encore un très bon lob de la part de Rafa qui maîtrise cette zone là-bas, le corner à gauche du bon côté du vent latéral. Il est lifté, il est à plat, mais il est souvent très bien maîtrisé de la part de la brésilienne. Et encore une fois, Julia qui se prend les pieds dans le tapis au service avec un rythme qui lui joue des tours. Allez, maintenant c'est Julia Gaspari qui va servir, donc Vando. 0-30. Et celle-là, elle va faire mouche. Bien sûr qu'elle est bonne. Bien joué de la part des Italiennes. Là, vraiment, on remet en jeu la pièce. Hein, c'est systématique là. On sert Vando là-bas, le jeu compte double. Du coup, celles qui sont du côté vent de face.
elles sont vraiment sous pression parce qu'elles savent que si les adversaires font un bon jeu, elles vont devoir gagner le jeu elles aussi à leur tour Vando et se retrouver vraiment sous pression. Donc c'est une espèce de double pression d'un côté comme de l'autre qui peut basculer. C'est, le fait qu'on ait le vent de face en fait nous oblige des fois à gagner le jeu si on veut pas être sous pression au jeu d'après. Et c'est là vraiment que la dimension mentale prend toute son importance dans ces conditions. Là, c'est le balle qui fait. Encore une fois, deux services pour Julia. Et le service d'avant, il était gagnant, certes, mais il n'est pas bien sorti de la raquette. Une petite balle molle qui a roulé sur sa raquette, dont elle s'est excusée d'ailleurs auprès des joueuses. Et là, c'est le troisième service, un petit peu bancal de la part de Julia. Petite panne aujourd'hui, quelques irrégularités chez elle, Hugo. Ouais, ça fait vraiment du bien, Rafa et Patty. Hein. Et bien touché de la part de Patty. Oh là là, oh là quel là touch, dommage. J'y ai cru, Hugo. Je croyais qu'elle avait passé le terrain. Elle sent tellement bien la balle sous le filet. Mais là, ça reste dans la bande. Et je veux dire, heureusement, pour le spectacle, c'est quelques déchets. On l'a déjà vu en mettre, hein, des comme ça, hein, des nombreuses même. Hein, cet amorti croisé là dans les chaussettes en coup droit, aller chercher l'opposé. On a vu une belle trajectoire sortir de sa raquette. Vraiment un monstre de maîtrise, hein, Julia Gasparri, sur les frappes. On la voit très peu dépassée, avec beaucoup de marge, avec de la maîtrise. Toujours des coups volontaires, très peu de hasard, très peu d'aléatoire dans son jeu. Et c'est vraiment extrêmement plaisant à voir jouer. C'est vrai qu'on mettait en avant ces quelques irrégularités au service et quelques fausses matchs, mais dans tout le reste, que ce soit les volets statiques, le jeu bas, les lobes, les contres, la gestion de son terrain, la façon de déplacer le bloc adverse, elle est d'une précision extrême, cette Julia Gasparri. Et le speaker qui harangue la foule. Elle se réveille. Enfin, on a du bruit. La clameur, la ferveur. Allez, Rafa Miller au service. 3-2, break en poche, mais service Vando. Elle a pour l'instant pas gagné un seul jeu de service. Bien servi, une première entrée haute, c'est intéressant. Là, tout de suite, elle prend l'avantage. Belle entrée. Julia qui demande à Sofia si cette balle sortait en longueur. Je ne sais pas ce qu'elle lui a répondu. En tout cas, elle a été jouée. Elle m'avait l'air parfaite, hein. Elle a été vraiment, vraiment en contrôle là, sur cette balle, Rafa. Et attention, c'est vraiment également une joueuse qui sent le money time. Hein. Elle sait, hein, que c'est un moment très, très important, que c'est vraiment le moment pour elle de gagner ce jeu Vando, même si c'est toujours le moment. Là, ça pourrait être crucial et leur donner une vraie avantage et leur permettre de reprendre un peu d'air max et un peu de marge, hein, par rapport à la victoire finale. Là. Allez, service. Travailler. Oh, ce petit livre de revers qui ne paye pas forcément là. Attention à l'homme milieu, Rafa qui ne rate plus. Mais et là, oui, y a quelle eu défense. Une mésentente. La défense bloquée dans l'espace libre en totale maîtrise de la part de Sofia Shimati. Ouais, qui a clairement identifié l'espace libre et qui est allé dedans, mais sans se précipiter, vraiment avec de la maîtrise. Hein. Elle a déposé cette balle avec calme, avec contrôle et ça paye, bravo. Parce que c'était aussi le côté où le vent chassait la balle, donc il fallait quand même regarder de la marge et être très précis. Et 35. C'est envie là-bas, oh, quel retour. Très bien lâché ce smash et pour l'instant, cette balle qui sort. Oui. Ouais, un smash cette fois qui a un peu changé. Hein, Patty qui était parti totalement coup droit cette fois et Sofia qui a réussi à smasher au corps. Je ne sais pas si c'était volontaire, mais en tout cas c'était d'une efficacité redoutable. À vrai de n'avoir pas utilisé cette zone une seule fois. On a vu Patty qui boise cette balle avec en défense. Je trouve Patty vraiment gênée, hein, par le smash de Shimati jusque-là. Là, elle a beaucoup utilisé le smash en face d'elle. On sait que Patty d'habitude est une très grande défenseuse. Et là c'est vrai que pour l'instant, elle a un peu du mal avec ses matchs à chaque fois. Elle a évidemment le lob diag quand c'est posé en face. On le savait tous, très bien contre lob. Allez. Contre lob revers encore. Et ça accroche le filet. Beaucoup de contre lob dans ce jeu. Et c'est Rafa qui perd au jeu du choix du smash offensif. Un smash vraiment important, Max, dans ce moment-là, là, à 30. Et elle lâche une fois de plus un smash pas très bien placé, un peu décentré, j'ai l'impression. Et ça fait 2 balles pour les Italiennes afin de recoller au score dans ce deuxième set. Et elle sort la première et la bonne. Money time, messieurs, dames. Attention, on va avoir droit à un clapping là. On va avoir droit. Ah non, pardon, non, c'est break. Il y a une erreur. C'était 30-40 effectivement après ce match. Faute à 30, pardon. Et là, elles sont à 3-3 maintenant, Hugo. Elles sont
Revenu au score, le public qui se chauffe, qui encourage les quatre protagonistes de cette finale. Et donc, toujours pas de jeu gagné, Vando. Toujours pas. Et là, on a même fait un tour de jeu perdu, hein, les quatre jeux perdus d'affilée. Attention, c'est pas ce qui se passe là. Oh, quel retour. Et Gaspa qui rate encore. Un peu étrange de l'avoir raté autant là. Allez, surprise du retour de Rafa, j'ai l'impression. J'ai senti Shimati et Gaspa prêtes à élever leur niveau de jeu, à jouer un très bon niveau au début de cette partie. Et elles ont senti que Pati et Rafa étaient peut-être pas dans un grand jour, pas dans leur assiette. Et bizarrement, ça les a influencés un peu négativement, j'ai l'impression, Max. Et elles sont un peu descendues, elles se sont mises un peu à faire plus d'erreurs, plus de fautes, et cette balle qui est parfaite. Allez, elles s'excusent, mais allez, parfaite. Cette défense, pourtant, Julia avait montré toutes ses qualités techniques, vous avez vu. Ce petit rush, ce petit coup offensif, brossé grâce au travail de la main. Mais ça ne suffit pas pour tromper Patty, défense lobée parfaite. Et Shimati au service. 0-30. Bien servi au milieu, entrée lob très longue, Patty qui s'arrache, aïe, Shimati qui s'en veut, après c'est quelques erreurs et celle-là elle fait du mal, c'est sûr, ce match était plutôt facile et maintenant c'est 3 voire 4 balles de jeu pour Rafa et Patty. Attention là, moment délicat à gérer pour Shimati qui a perdu un peu de confiance sur le jeu d'avant au service. Peut-être que ça retourne aussi un peu mieux en face. Dans ces deux premiers jeux, on l'a vu faire des aces. Là, c'est plus le cas depuis tout à l'heure. Et boum, c'est un penalty. Belle combinaison, bien joué de la part de Julia qui ne s'est pas fait tromper une seconde fois sur le retour de Rafa. Celle-là, elle a bien lu la trajectoire et elle vient conclure. Et 15-40. Oui, clairement, une combinaison qu'on voit rarement chez les filles. En 1-2 combination là-bas, c'est volontaire en plus. Vraiment, c'est pas juste la balle traîne sur Gaspa, c'est qu'elle a choisi volontairement d'aller dans le contre-pied. Et dans la zone posée. Libre. Et ce lifté. Elle est bonne. Magnifique. Lob, il est chirurgical celui-là. Et il permet à Patty et à Rafa de passer devant au score. 4 jeux à 3, messieurs, dames. Elles ont concédé la première manche et elles font la course en tête désormais dans la seconde. Joueuses qui essuient leurs lunettes et qui se lèvent assez rapidement pour regagner leur moitié de terrain. Julia et Sofia sont les premières à être prêtes. On est dans un match très équilibré, Max, hein, ouais. Comme prévu, hein, on s'attendait pas à avoir une paire dominée particulièrement cette partie. On a cru au début de cette partie que Sofia et Julia étaient au-dessus un petit peu dans l'entame. Et finalement, elles sont un peu redescendues en niveau de jeu. Et Patty et Rafa ont un petit peu moins raté. Et là, tout de suite, ça se rééquilibre. Et elle sort. Un service bien plongeant qui gêne Julia sur son côté droit. Non, primero, Natasha, Sofia Shimati gagne à 2 jogos de saque. Agora é só quebrar. Attention, bon ce match là. Et boum, de la part de Rafa, solide, au-dessus de la tête. Il y a des compasses devant au score, hein, on est un peu plus relâché, on arrive un peu plus à lâcher sur ce match. Là, on rajoutait un petit peu, là-bas il y a peut-être un petit peu plus de doute, un petit peu plus de réflexion, et là-bas, changement tactique. Julia qui prend les commandes, qui passe à gauche. Et ça me fait plaisir, ça, parce que là, on va avoir du smash sauté. Attention, service Patricia Diaz. Très bon retour lobé. Tout de suite, et elle sort cette balle. C'est un risque à prendre, hein, de temps en temps, d'aller chercher une fois pour un peu reculer la partenaire de la serveuse. C'était finement vu de la part de Julia qui a ouvert sa main au dernier moment
pour les derrière. Rafa, ce n'est pas récompensé. Et 40. 0. Très bon lob et ça suffira. Ouais, attention. Lob tendu. Un demi-lob qui est exécuté dans un timing parfait. Ça met à défaut la paire italienne. Et jeu pour la paire vénézuélo-brésilienne. Oui, là nous voilà hein, dans un moment très très important. Est-ce que Julia va faire son premier jeu de service désormais à 3-5 pour rester dans le second set? Aïe, 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 elle commence par une faute de service. 0-15. Allez, elles prennent leur temps là, Sophia et Julia, elles savent que c'est maintenant là qu'il faut réussir à faire ce jeu et passer vent de face ensuite et on serait relancé dans ce deuxième set. C'est le service, c'est très bon, une entrée un peu haute, Rafa en profite pour la mettre dans les pieds. Oh là là, il y a un lob très bien joué qui a l'air de rester, elle contre l'homme et cette balle qui ne passera pas. 30-0, Rafa qui serre le point en direction de son entraîneur, Paolo Tazzari là. C'est parfaitement exécuté, vous parlez de la qualité de son lob, celui-là il est exemplaire une nouvelle fois. Et puis ça y est, elle a récupéré hein, sa grinta, on l'a vu là, elle serre le point comme quoi des fois il suffit d'une tension et tout de suite on est un peu moins dynamique. Et quel smash, quel smash encore de Rafa qui serre le point en direction de son coach. Elle peut être fière d'elle sur ses deux derniers smashs. Elle a balayé le terrain une fois en face, une fois décroisé et première balle de set. Ouais, on dirait que Sofia qui se frustre un peu là-bas, là, on sent qu'elle commence un peu à agiter les mains en parlant à Gaspari. Il faut trouver des solutions maintenant sur ce jeu en dos. Oh, et la première est la bonne avec ce retour let gagnant. Rafa qui serre le point. Elle montre qu'elle est là, qu'elle est présente. Et elle va combattre avec Patty. Si, vamos super tie. Estamos juntos. Dans ce format qu'on connaît tant et qu'on apprécie en tant que spectateur ou téléspectateur. 10 points pour départager les équipes. Et pour aller chercher le Graal, qui est cette coupe du BT400, $35,000 et ce prize money également. 10 points pour aller chercher ce titre, le public. Allez, je vois qui en prend la mesure, j'espère. Tout le monde, que ce soit dans le public là ou dans le chat, qui est ravi d'avoir un énième super tie-break entre ces quatre joueuses là. Ça doit être à peu près 15-20 à la saison qu'elles jouent entre elles là, Gaspari, Shimati et Patty et Rafa. Et Laola qui se lance sur le court central. Rejoignez-nous, partagez le lien, invitez vos amis, vos collègues à venir vivre ce super tie-break pour cette première finale de la journée du tableau dames. Rafa qui va commencer à servir avant de tourner du bon côté. Allez, sortez vos pacemakers, c'est le moment. Et elle est courte celle-là, oui, c'est puni directement. Premier point dans la poche des Italiennes. Elle n'a pas tremblé sur ce lob légèrement court, on peut le dire. Ouais, de totalement la part de Rafa. Raté, hein, Rafa qui avait trouvé la bonne option. Hein, on avait senti Shimati engagé vers le filet. Elle avait passé les 3 mètres là dans le terrain. Rafa qui avait pris à contre-pied, je trouve. Malheureusement, ce lob est raté. Et elle a pu dunker. Allez, évidemment, après Super Taille, on aura l'occasion de vous. Oh, elle est belle! Présenter. Elle est belle! Je te laisse finir, Hugo. De vous présenter la partie suivante. Hein, la partie suivante, donc la finale homme, la grande finale de ce tournoi qui rend tout le monde de fou et qui a hâte de voir une confrontation totalement nouvelle. Hein, une première. Hein. Mathieu Gagano et Alan Oliveira, un Français et un Brésilien, qui sont 8e et 12e mondial, affronteront nos amis Giannotis Poto qui sont les numéros 1 et 1 actuels. Donc une confrontation au sommet. Restez avec nous, on ne coupera pas le live, on va enchaîner. Donc restez là, on a du contenu exclusif à vous partager avant ce prochain match. Allez, maintenant, nous voilà 2-1.
Service Diaz Miller. Les deux points ont été perdus du côté de Gaspari là. Et encore une fois au service. Julia qui est fébrile dans ce secteur. Oui, encore deux. Et elle reste. Ace. Elle reste. Elle est passée haute. Elle a été jugée faute par Julia, mais elle retombe bien dans les limites du terrain. Bien servi la part de Patty. Et elles font la course en tête. Désormais, elles creusent l'écart de 2 points, 3 points à 1 pour Patty et Rafa. Et la même, allez, exactement. Ouais, c'est un premier, 5 reste. Et derrière, c'est la combinaison parfaite. Elle vient appuyer sur la retourneuse. Elle n'a pas le temps de se remettre en bonne position pour faire cette défense. Elle lui prend du temps. Elle lui saute à la gorge sur ce coup. Bien joué de la part de Raphaël. 4-1 désormais. Gaspari là, qui est vraiment en train de tomber, je trouve, en régime. Gashimati a fait quelques erreurs dans le second et depuis c'est un peu le tunnel. Hein. On a du mal à les voir s'en sortir là, Diaz et Miller qui sont en train totalement de prendre le contrôle du match là. C'est maintenant Gashimati et Gaspari qui se retrouvent sous pression. Un bon premier service, Patty qui retourne bien neutre. Attention, le lob revient tout de suite. Très bon contre lob, Gashimati qui doit jouer un bras roulé de maîtrise. Là, encore un lob sur Patty qui relobe. Gashimati qui est prise. Et là, attention, c'est une balle facile et c'est une défense ratée. Ouh là là, je croyais que Gashimati allait rester sur ses appuis et que Patty allait bien plus appuyer cette balle. Mais ça a suffi. Gashimati s'est fait surprendre par ce rush qui était certes défendable. Mais ça a suffi. Point ouais. Chez Patty et Rafa. 5 points à 1. Et Sofia qui retire ses lunettes pour son deuxième service, qui souffle. Elle sait qu'il faut revenir. Oh oui. Là là, la et c'est fait. Là. Elle réduit l'écart. Désormais, 5 points à 2. Bel enchaînement. Très bien joué, la Gaspari qui prend ses responsabilités dans les moments importants, dos au mur. C'est vraiment là qu'on voit les grands joueurs, hein, capables d'inverser la tendance dans ce genre de moment. Là, on a senti une mauvaise série et elle arrive à prendre un petit risque qui paye. Et tout de suite, les revoilà dans la partie, là, 5-2. Allez, Rafa Miller au service, Vando. Servi bien retourné, très bon revers en entrée. Malheureusement, elle est prise derrière, mais elle fait encore ce bras roulé contre l'aube. Hein. Et elle reste dans la bande. Et vous avez vu Rafa qui était prise dans son dos, mais sa maîtrise du bras roulé lobé de compensation lui permet de revenir dans ce point, de renverser la vapeur et d'empocher ce point précieux qui les font passer maintenant à 6 points à 2. Et au gancho lobby qui fonctionne à muito oggi. Hein. Tres tempos en tres puntos. Trois fois là, elle utilise le bras roulé contre l'aube là. Et service le service gagnant. En 5. Bombé qui passe haut par rapport au filet mais qui redescend. Belle trajectoire qui surprend les Italiennes une nouvelle fois. Nous voilà 7-2 et là attention hein, parce que ça va devenir une vraie mission hein, de remonter ce super tie break, d'aller chercher 8 points pendant que les adversaires n'ont plus que 3 à en faire. Alors évidemment on l'a déjà vu, ça arrive régulièrement. Mais faut-il, quand on est contre Diaz Miller hein, qui sont numéro 1 mondial là, enfin qui sont dans les 5-4 premières mondiales. L'équipe numéro 2, bien posée, malheureusement, ça suffira. Et attention, parce que là, elles sont en train de nous tuer le suspense. Allez, ce genre de balle est révélateur. Du doute qui s'installe du côté italien. Elle les affectionne, ces balles normalement bien lobées. De la part de Sofia. Bras roulé de percussion au milieu, maintenant sur Patty. Oh, elle s'en sort. Elle s'en sort en sautant, attention. Aïe, 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 j'ai la... Oui, elle sort, c'est elle sort. Chiant. Elle paraissait déjà très mal sortir de sa raquette et ça se confirme sur la fin de la trajectoire puisqu'elle est derrière la ligne, ce smash sauté. Et maintenant, on a Hugo, nos premières balles de match de la journée. ...9-2. Match point. Patricia Diaz au service. Va aller chercher ce titre. Un servi retour. Et la première. Et la bonne.
Un seul service a suffi. Un nouveau 5. Un service totalement croisé sur le coup droit de Sofia qui finit dans le filet. Et Patty et Rafa qui exultent. Elle remporte, Hugo, ce BT400. 35 000 dollars de Saint-Georges de Didonne alors qu'elles étaient mal embarquées. Dans le premier set, derrière, il y a eu un trou d'air, quelques imprécisions, un doute qui s'est installé dans la paire 100% italienne. Et derrière, ce super tie-break a été à sens unique. Elles ont fait le trou très vite et derrière, elles ont su enfoncer le clou et clôturer nettement 10 points à 2, Hugo. Ouais, un changement de dynamique vraiment étrange là dans ce milieu de second set. Même au début, on a senti vraiment une entame monstrueuse, je trouve, de la part de Shimati et Gaspari. Et après, elles se sont un peu éteintes, elles ont un peu perdu la maîtrise de ce qui se passait. Les adversaires ont repris de la confiance jusqu'à totalement les dominer et les écraser. On est un peu déçus là dans le super tie-break de ce qui s'est passé. On a eu beaucoup d'erreurs du côté de Shimati et Gaspari. On aurait aimé les voir un peu plus prêtes au combat. Malheureusement, elles ont cédé, hein. Elles ont plié face à la pression de leur adversaire. Et nous allons gentiment vous proposer une interview des joueuses, des gagnantes en direct. On va avoir les mots fraîchement recueillis de la part de Guillaume du Venezuela et Rafaela Miller, notre brésilienne. Venez les filles, venez avec moi, venez ici face à la caméra, on se tourne. Donc moi j'avais une question à vous poser, on va se mettre dans ce sens là. J'avais une question à vous poser, ça fait quelques temps que vous n'avez pas gagné un tournoi là aussi important, un BT400 dans votre poche. Comment se passe ce match, comment vous faites pour le retourner ce match? Faz bastante tempo que vocês não ganharam um torneio assim. Como é que funcionou hoje para ganhar? Hello everybody. My French is not so good, so I will keep the English. Thank you everybody really for the support. It was an amazing match. It was really difficult since the first round. We were losing the semi-final 5-0, 5-2. We came back. It was a very mental semi-final. It was a very mental final. We cannot quit. We always have to believe that it's possible. We have to fight until the last ball. We showed that. We stayed as a team. I'm super proud of us, super proud of the job that we have been done with Paolo. And Royan, France, is a good place for me, I can say. Donc elle dit qu'elle est très heureuse de ce talent, qu'elle remercie tout le monde, vous, le public, et aussi son coach. Ils ont réussi à faire un gros travail pour retourner ce match et retourner des grosses équipes. Elles sont heureuses d'être là à Saint-Georges-de-Didonne du coup et qu'elle va sûrement revenir. Rafaela, je crois que c'est la première fois que vous venez ici à Saint-Georges-de-Didonne. Vous prenez pour la première fois, vous gagnez. Est-ce qu'on vous revoit l'année prochaine? Première fois ici, j'ai gagné. Eu joguei duas vezes aqui já. Joguei uma vez com a Meg. Essa é a minha segunda vez aqui. A minha terceira vez, a primeira vez joguei com o Margali Garnier e joguei uma vez com a Paty também, que a gente fez semifinal, mas é a primeira vez que ganho esse campeonato. Estou muito feliz, as condições realmente estavam bem difíceis para esse torneio. Como a Paty falou, a semifinal a gente começou perdendo, esse jogo também a gente começou perdendo, mas a gente lutou até o final e deu vitória. Fomos campeãs. Donc Rafaela nous rappelle qu'elle est venue trois fois ici à Saint-Georges-de-Didonne, une première fois avec Magali Garnier, la deuxième avec Patty. Elles avaient terminé en demi-finale seulement. Donc là, elles sont super heureuses d'avoir gagné dans des conditions de vent difficiles. Et bien sûr qu'elles reviennent l'année prochaine. Allez, merci beaucoup. Bravo les filles, on vous laisse profiter de cette victoire. Et du coup, maintenant, va y avoir la finale homme avec les deux numéros 1 mondiaux, Nicolas Giannotti, français, Mathias Poto, italien, opposé à un autre français, Mathieu Guégano, 8e au classement, Alan Oliveira, 12e. C'est tout de suite dans quelques minutes. À bientôt. Merci. Merci Guillaume pour ces quelques mots. Rafa et Patty qui nous faisaient part de leur joie, de leur bonheur de s'imposer ici. Elles se sentent bien sur la plage de Saint-Georges. Bravo à elles deux. Ça a été un plaisir, même si on reste sur notre faim toujours. On en demande peut-être un peu trop, Hugo. On aime quand c'est chaud dans les super tailles. Il a été celui-là à sens unique, mais on s'est
régalé. On a eu deux équipes qui sont tenues tête sur ce match. Et désormais, vous pouvez voir sur ce terrain que les hommes en orange se mettent au travail. Ils ratissent, ils changent la taille du filet. On augmente de 10 cm. On passe à 1,80 m sur ce court central. Et on va, avant de vous présenter les quelques images sur les demi-finales qui se sont déroulées hier sur Versus, on va écouter quelques extraits d'un entretien exclusif de Mathieu Guégano. On vous laisse découvrir ces quelques images. Il nous parle de son partenaire, de ses changements de partenaire récents et aussi d'une association potentielle avec un Français. Affaire à suivre. Je vis pas forcément bien cet enchaînement parce que j'aimerais bien de base me projeter sur un projet à long terme avec le même partenaire, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est ça qui marche le mieux. On voit Nikos Poteau, ça fait presque 2 ans, 3 ans qu'ils jouent ensemble, mais c'est eux qui gagnent le plus cette année. On voit Capelletti et Ramos, c'est eux qui ont fait les meilleurs résultats, c'est eux qui gagnent beaucoup de tournois aussi. Donc pour moi, j'aimerais bien m'associer avec quelqu'un sur du long terme, mais j'ai pas encore trouvé forcément avec qui. Là, j'étais en tant que joueur de gauche aussi, et je passe en tant que joueur de droite. C'est aussi un gros changement, donc c'est assez compliqué de s'adapter toujours à un nouveau partenaire. Mais ce qui est bien, c'est que je peux me concentrer beaucoup plus sur moi-même, être beaucoup plus concentré sur ma performance personnelle que sur la performance d'équipe. Donc je pense, après, il y a encore 2 tournois, après prendre une décision pour essayer de trouver un partenaire fixe jusqu'à la fin de l'année. J'aimerais bien, en tout cas. Je pense pouvoir être dans le top 5 avec niveau attitude du Gourousso, parce que pour moi, il a vraiment une attitude exemplaire sur le terrain, combatif. Pour moi, il est peut-être un peu en dessous niveau techniquement, mais il compense vraiment par son attitude et sa tactique de jeu. Et ça, c'est plus quelque chose qui me parle. C'est plus, je me vois plus en lui. Et après, je pense que c'est avec Max qu'on aura pu faire le plus de résultats, parce que niveau potentiel pur, je pense que lui est meilleur. Mais niveau attitude ensemble, ça ne collait pas forcément. Donc je préfère jouer avec quelqu'un qui est peut-être un peu en dessous, mais avec qui je me sens beaucoup mieux sur le terrain et qui me permet, moi, de jouer mieux. Et qu'en équipe, on peut être beaucoup plus fort, je pense. M'associer avec Théo, ça a été une idée qu'au début, lui m'avait demandé. Mais je me suis associé avec Max. Du coup, c'était pas possible pour moi. Puis finalement, quand ça a été possible pour nous deux, lui a décidé d'aller jouer avec Max parce qu'il n'avait pas forcément fait de résultats satisfaisants cette année. Il n'avait pas forcément gagné le tournoi ou fait de résultats satisfaisants. Du coup, il ne se sentait pas encore capable de rejouer avec moi. Tout ça a créé quand même de l'incertitude, on va dire, alors qu'avec Max, moins. Mais ouais, c'est une question que moi, je m'étais posée et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de monde aimerait. Je pense qu'ensemble, on a fait de très bons résultats. Et qu'aujourd'hui, on a tous les deux un peu évolué chacun de notre côté, joué avec différents partenaires. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut former une bonne paire, à voir si elle se formera ou pas. Mais c'est une idée que j'ai dans la tête. De retour, ici, après ces quelques mots de Mathieu, pareil. Entretien à suivre en intégralité sur Versus prochainement. Et l'entrée des joueurs sur ce court central. Alan qui est rentré, Mathieu qui rentre. Et on va revoir quelques images d'hier sur cette demi-finale opposant Mathieu Guégano à Théo Irigaray. C'était le choc d'hier sur ce court central. Et ça commence fort, ça commence très fort, ce premier point. Ah, et là, Théo qui se trompe un peu sur cette entrée tendue. Il rejoue tendu, Alan. Oh là là, Alan, on adore. Et oui !
Aïe, 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 et celle-là qui fait très, très... Encore une balle de 7. Va-t-il mieux gérer cette fois ce juice? Et c'est mieux servi, et cette... Encore une balle de 7. Va-t-il mieux gérer cette fois ce juice? Et c'est mieux servi, et cette balle qui sort. Aïe, aïe, et regardez aïe, aïe, le aïe, visage aïe. De Max Anderson là. Service avec son service. Oh là là. Et celle-là. Et ça décolle celle-là. La bombe, la vraie. Celle-là, elle fait mal. Il est parti de loin dans sa course. Et vous avez vu cette suspension avec cette prise d'élan. Il a réussi à se stabiliser, à s'ajuster dans les airs et il vient pilonner. Mathieu. Ah, se você falar de punto fotogénico, agora é un punto muito fotogénico. Bravo, Théo. Oh, il n'a pas tremblé. Joseph, t'es en train de râler le cœur, frérot. T'as clairement râlé le cœur, là. Retourné. Petite poussette milieu et Alan qui loupe. Super time maintenant. On se demande, là, comment Mathieu et Alan, qui avaient deux balles de break, ont réussi à perdre. Ah, ils ont gagné, ils ont perdu. Et encore un service la mollesse. Aïe, 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 c'est le penalty. Et c'est le penalty ici. Alan qui nous fait une double mollesse, encore une fois. Alan est vraiment exceptionnel aujourd'hui. On va aller chercher pour revenir au score. Première mine, une magnifique interception sautée, magnifique là. Interception, c'est bien tenu de la part de Max et de Théo. On va voir s'ils sont capables de rééditer sur ce deuxième service de Max. Ah, le public qui se réveille enfin en cette fin de match. Un gros service, Théo qui coupe cette fois, Alan qui défend, ils hésitent. Oh là là, quel dommage. Quel dommage pour Théo et Max là, qui auraient pu mettre un carton sur celle-là, mais il y a eu une mésentente. Quelle hésitation entre les deux joueurs sur cette balle flottante. C'était un penalty, c'était collé au filet. Ils se sont gênés et le bloc décisif qui permet à Mathieu et Alan d'atteindre pour leur première participation à la finale de ce BT400, $35,000. Mathieu qui vient checker Jérôme, son coach. Après ces belles images de compte-rendu de la première demi-finale homme qui s'est déroulée sous nos yeux hier dans un central bouillant, on va vous laisser découvrir quelques images et également de l'autre côté du tableau. Profitez de ces quelques points, ces quelques plans de Nico et Spoto contre Capé et Ramos. Et à tout de suite. Au service pour cette demi-finale, c'est parti. Allez, premier service gagnant, Let. 15-0. Magnifique, magnifique rush de la part de Mathis Poto. Et boum! Michele qui enfonce cette balle dans le sable de Saint-Georges à plat. Il se lève. Oh, quel service, un très bon retour de Mickey. Malheureusement, cette balle s'échappe. Mais franchement, on peut que féliciter Michele sur ce retour. Il était... Oh là là, Nico qui touche un amorti encore. Et la chandelle qui est parfaite. Ah, Ramos qui contre nous l'op. Fait. Oh là 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 là, Capé qui bloque deux fois là, quel point. Aïe 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 aïe. On a rarement vu Antomi rater autant. Et oui, bien joué de la part de Michele qui lui aussi a une matraque télescopique à la place du bras. Et celle-là, je peux vous dire qu'elle ne va pas passer au-dessus. Il a balle de match pour Mati et Nico. Et attention, je crois que ce sera la bonne. Et boum! Et la première est la bonne. Il n'a pas tremblé et vous l'avez senti, tout comme nous, ce match a été à sens unique dans ce second set. Pas de second souffle, pas de retournement de situation.
Nico et Mati qui s'imposent ici et qui montrent un beach qui fait peur. Hugo. Et les joueurs qui peaufinent les derniers services de cet échauffement pour cette finale. Les quatre protagonistes qui sont là, qui sont montés en température. Et Nicolas et Mati que vous avez pu apprécier hier sur vos écrans, qui ont eu un parcours sans embûche. Ils n'ont pas concédé de 7 sur cette semaine. Ils se sont imposés 6-4, 6-3 au premier tour contre Alessi et la Hondès. Et pour ensuite se battre au second tour, Nicolo Gaspari et Gabriel Gini, 6-3, 6-2. Et en quart de finale, c'est Mola et Rousseau qui sont tombés sous le joug de Nicolas et Mati, 6-1, 6-0, victoire très nette. Et hier, vous l'avez vu, ils sont venus à bout en 2-7, 6-4, 6-1. D'Antomi Ramos et de Michele Capelletti. De l'autre côté, Mathieu et Oliveira ont connu des situations plus complexes. Ils ont dû aller jusqu'au Super Tie Break à 3 reprises pour arriver en finale. Mais ça ne veut rien dire. Ça va être une affiche très, très alléchante. Vous l'avez vu hier, Mathieu et Alan qui ont produit un beach de qualité, une densité, une sérénité dans les points importants. S'ils ont gagné les Super Tie Break, ce n'est pas pour rien. C'est souvent les joueurs les plus prêts, les plus incisifs qui s'en sortent. Et aujourd'hui, ils ont leur place sur ce court central. Hugo, est-ce que tu es prêt pour cette finale homme en exclusivité sur Versus ? Oui, et là, messieurs, dames, on va vibrer, hein, je l'espère vraiment. On va assister à une partie serrée avec du combat, avec des échanges, de la résistance des deux côtés, de la résilience, des joueurs qui vont tout donner, je l'espère. Et je le pense d'ailleurs. Attention à Mathieu et Alan, hein, qui sont quand même, je pense, clairement outsiders sur cette finale. Mathieu qui a beaucoup perdu contre Nico ces derniers temps. Enfin, beaucoup, c'est un grand mot en tout cas. Aux dernières confrontations, Mathieu est clairement en désavantage face à Nico et Mati. Alan qui les a battus quelques fois. Peut-être Alan qui est un des joueurs qui a le plus battu Spoto et Nico sur les deux dernières saisons là. Alors attention, est-ce qu'on pourrait parler de patte noire ? Je ne sais pas, parce que je pense que Nico et Spoto l'ont battu plusieurs fois aussi. En attendant, il y a très peu de joueurs qui peuvent se vanter d'un bilan positif sur Nico et Spoto. Donc ils attaqueront toujours un peu les matchs maintenant, là, sur l'approche de la fin de la saison, jusqu'à la fin de l'année, voire l'année prochaine, avec ce statut de favori qu'il faudra tenir. Pour l'instant, qui ne les a pas du tout gênés dans ce tournoi, dans l'entame. Max l'a dit, ils n'ont pas perdu un set. Le match le plus accroché qu'ils ont fait était au premier tour contre Théo Laondès et Michael Alessi, seule équipe qui a réussi à marquer 7 jeux dans le match. Alors attention à l'entame de match là, hein, qui pourrait vraiment être très très importante pour Mathieu et Alan. Tout de suite montrer aux adversaires qu'ils sont bien présents, qu'ils seront bien au contact là de cette partie de très très haut niveau. Et oui, et Nicolas, si vous étiez avec nous lors de cette finale femme, qui nous disait lors de son entretien qu'il venait décontracté, en tout cas plus décontracté qu'à la normale, puisque le poids de la première place mondiale n'est plus aussi pesant qu'avant, puisqu'ils ont atteint leur rêve, leur objectif, celui de passer numéro 1 mondial, à la fois Nicolas et Mati, puisqu'ils sont tous les deux à la plus haute marche du podium du classement ITF. Et ils nous ont fait forte impression. J'avais quelques doutes après l'entretien avec Nico, qui me disait que là, ce n'était pas forcément le tournoi où ils allaient être au top de leur forme, au top de leur énergie mentale. Mais le terrain a bien démenti ces déclarations, puisqu'ils ont été plus que solides et leur niveau de jeu a été remarquable dès le premier tour. Ils ont fait forte impression, Hugo, et hier, je les ai trouvés dans une forme particulièrement bonne. Ouais, on a hâte de voir, hein, à quel point le public est acquis, de quel côté. On a un Français dans chaque équipe, Alan qui a beaucoup courtisé le public français depuis qu'il est là, qui a réellement essayé de les convaincre. Donc voilà, à grand coup de petits croissants.
Allez, croissant et pain en chocolat, les nouvelles viennoiseries favorites d'Alan. Alan qui se fait à l'air royanais, à l'air français. Et c'est lui qui démarre. Qui a pâtissé au le service. Sable là, qui a pâtissé le sable sur cette ligne avec son pied avant de commencer au service. Allez, il lui faut au moins ça, un terrain plat pour débuter 0-0, premier point de cette finale. Très bon service milieu. Et boum, quel enchaînement, one two combination le premier point. Ce poteau qui a vu la mort tomber d'en haut, là, la mort vient d'en haut clairement. On l'a vu là, un peu surpris de la vitesse de réaction de Mathieu d'entrer sur le premier point. Il n'a pas hésité, Mathieu il est venu claquer. Malheureusement il a touché Mathy, bon c'est dommage mais c'est comme ça. Hein. Ça va vite, on n'a pas forcément le choix de choisir la zone. On sait que peu importe où on la met en face, ça va finir le point, on y va. 15-0 et celle-là elle est bien jugée de la part de Nico, elle sort en longueur. Alan qui accuse le vent hein, sur ce premier service faute tout de suite là, qui a jeté le sable en l'air, je comprends pas le vent. Bon, en tout cas, le vent m'a gêné. Et c'est vrai qu'il se lève tout doucement, ce vent, on le sent arriver. Oui, un vent qui est en train d'augmenter, hein. Peut-être que ça a été un facteur qui a influencé la finale femme tout à l'heure. En tout cas, là, ça a pris vraiment une autre tournure. Au début, on était sur un vent moins fort que ces derniers jours. Et là, le vent est en train de reprendre hein, son rôle crucial dans ce tournoi hein, jusque-là. Ouais, on est protégé dans le studio, les bâches nous protègent du vent. Mais sur le terrain, les tribunes ne suffisent pas à arrêter les rafales. Bien retourné, bien posé. Oh, il pousse sur ce poteau et c'est presque payant. Attention Mathieu qui a un smash difficile à réaliser, bien touché malheureusement Alan qui loupe derrière. Et Mathieu qui a failli se faire prendre par cette attaque de revers d'Alan. C'était bien joué au corps, il n'était pas prêt. Et il s'est bien rattrapé avec cette volée un petit peu derrière lui, certes. Ouais, il s'en sort vraiment très bien avec le haut de la raquette là. Après c'est surtout Nico en vrai hein, qui fait la vraie différence là avec cette défense. Alan qui n'avait pas poussé assez fort cette fois. On en a pas mal parlé hier avec Mathieu du schéma tactique à aborder là pour attaquer contre Spoto et Nico avec Alan. Oh là là, et ça Rainbow. C'était un point très très important sur une première balle de break là. Rainbow qui reste dans la bande du filet, choix audacieux, offensif en tout cas de la part de Nico qui affectionne ce genre de balle. Oui, on dit souvent que c'est l'audace qui paye et là on voit pour sur ce coup là en tout cas un choix avec une belle prise de risque, mais on peut pas lui en vouloir. On avait cru qu'il avait fait la différence quand on l'a vu prendre cette balle à une telle hauteur là. Il leur reste deux balles, deux breaks. Aïe, Alan qui force un peu au service là, j'ai l'impression Max, ouais. Pas forcément un bon signe. Hein. Non, un jeu un petit peu fébrile dans le secteur du jeu pour entamer ce premier jeu du set. Et attention parce que maintenant le gros problème qu'on a quand le vent souffle comme ça, c'est que Nico Giannotti lui, il continue à servir l'acier trempé, à démolir ses adversaires avec son bras tentaculaire. Et là j'ai bien peur que ce soit déjà une belle option de prise dans ce premier set là. Alan qui fait deux fautes de service dans ce premier jeu, Vando, il peut pas vraiment se permettre de faire des fautes de service avec l'intensité qu'il a au service et la puissance qu'il a. On aime son job normalement, c'est vraiment d'avoir un gros pourcentage sur le service. Malheureusement, là, il a chuté et tout de suite, c'est la sanction. Et c'est Nico en plus qui sert derrière pour confirmer ce break. Dans cette entame de finale. Oui, ce jeu qui se joue à une petite défense près, hein, mine de rien. Cette défense de Spoto là qui leur permet de passer devant et mettre Alan sous pression tout de suite. Là, une défense de Spoto, une défense de Nico dans le même point. Et tout de suite derrière, ça enchaîne deux points et voilà, ça break. L'importance des séries, d'amorcer des séries, tous les points ont une valeur capitale. Chaque point peut être le début d'une série de points très importante. Il faut vraiment avoir un maximum de concentration, même dès ce premier jeu, là, même à 1-0, il faut être très très présent pour Alan et Mathieu s'ils veulent rester au contact. Maintenant, il va falloir très bien retourner. Retour lobé. Bon retour d'Alan. Mathieu qui se lève et boum. Et déjà deuxième tatou, hein. Deuxième smash, deuxième tatou, il a touché Nico là, il y en a pour tout le monde avec Mathieu. Et double tatouage, recto, verso de la part de Mathieu qui a pris tout son temps pour s'ajuster et analyser la trajectoire de la balle qui bouge légèrement dans le ciel du fait du vent. 0-15. Très bon service, quel aïe. Et très bien joué de la part de Mathieu qu'il ne s'est pas fait surprendre par cette entrée tendue côté coup droit. Il est venu chercher cette balle offensif
qui a même refermé le piège en fait sur Nico. Hein. Nico fait vraiment un énorme pourcentage de balles jouées en face de lui en deuxième avec son revers après son service. Mathieu qui savait que Nico allait venir sur cette zone, il a pris pleinement sa chance. Grosse match là, Nico derrière Mati. Mati qui a été pris pourtant un bon retour. Hein. Alan qui insiste avec deux retours lob dans ce premier jeu. Une option tactique qui semble payer, qui semble empêcher ce poteau de couper là pour l'instant. Ouais, dommage cette défense qui lui échappe. Il était pourtant dessus. Bien ce match, et ce match très travaillé de la part de Nico. Et quel service, et bien joué le retour. Et celle-là, elle finit sa course dans le filet. Bien retourné de la part de Mathieu. Vous pouvez voir sur ces images. Oui, Alan qui recommence avec ses petits clins d'œil là entre les points. Il fait vraiment ça systématiquement à Mathieu. Des petits coups d'œil assez particuliers là. Vraiment un joueur qui semble parfois possédé hein, par je ne sais quel esprit. Et celle-là est parfaite. Ah non. Elle sort, elle partait pourtant bien de la raquette. Mati était loin de pouvoir atteindre ce retour. Mais elle sort en longueur. 30-40, Hugo. Deux balles pour prendre le service de Nicolas. Elles sont précieuses. Et oui, bien ah, suivi. Dommage. Quel service. Retour flottant de la part de Mathieu et Mati qui vient les punir. Ouais, Mathieu qui semblait avoir la raquette au bon endroit pourtant, hein, il a pas réussi à verrouiller un service de Nico trop lourd là, qui a fait exploser Mathieu. On ne sait pas s'il avait l'option lob volontairement, mais en tout cas, cette balle est restée trop courte et Mathieu a vraiment pu la dunker. On voyait que derrière Mathieu, il y avait un sacré espace pour aller s'engouffrer, mais il n'a pas réussi à la maîtriser suffisamment pour toucher cette zone. Et premier deuce, très bien retourné. Oh là là, Nico qui fait une masterclass sur ce deuxième coup, Mathieu. Oh, quel lob de Nicolas Giannotti. Oh là là, et Mathieu qui n'en revient pas, puisque Nico s'est fait totalement surprendre par le petit livre de Mathieu qui a rasé le filet. Il a ensuite compensé, il s'en excuse d'ailleurs, mais sa compensation est magnifique. Hugo, il vient lober grande diag. Alan, elle est parfaite. Ouais, Vando, la balle qui prend le vent et qui s'engouffre avec le vent et qui va assez longue pour qu'Alan ne puisse pas la toucher. Mathieu qui avait fait le petit lift exceptionnel là, sur le corps de Nico. Vraiment cette balle qui avait léché le filet avec une trajectoire bombée, mais vraiment juste au-dessus du filet. Hein. Dès qu'elle a passé le filet, cette balle, elle a plongé dans les pieds. Et Deuce, premier Deuce en faveur des Nîmois mondiaux qui confirment leur break. Pour le coup, 2-0. Et premier service de Mathieu qui sort en longueur. Ouais, pour l'instant, on a vraiment vu que c'est en défense que Nico et Spoto font la différence pour l'instant là sur le jeu d'Alan tout à l'heure et à nouveau là sur ce 40A. C'est bien touché là, quel enchaînement. Et c'est Nico et Spoto qui prennent l'avantage encore après ces 4 amortis là. Nico et Spoto, Max, qui joue à un niveau de jeu en ce moment, vraiment on peut le dire stratosphérique. Hein. On a rarement vu une équipe évoluer à ce niveau-là avec autant de constance, gagner autant de gros tournois, battre autant de fois les équipes concurrentes. On est vraiment en train de passer dans une nouvelle ère hein, du beach tennis, là, le circuit ETF en tout cas, avec vraiment un Nico Giannotti et Mathis Spoto qui sont en train de maîtriser leur sujet. Et quel smash ! Oh là 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 ! Mais Mathieu et Alan n'ont pas dit leur dernier mot sur cette partie. Attention, c'est l'entame, c'est la mise en bouche. Hein. Incroyable ce match, il était totalement pris. Vous pouvez voir sur ces images, totalement pris dans son dos. Il arrive à compenser avec ses qualités de main, à la faire redescendre et transpercer la paire franco-italienne. Ouais, en bout de raquette là, Mathieu qui a activé le poignet. Et bien joué, bien joué. Et un père franco-brésilien qui s'encourage. Ils ont conscience de l'importance du jeu de service de Mathieu de ce côté. Très bon pour la dynamique là, de Mathieu et Alan de faire céder Spoto dans le jeu des défenses statiques. Spoto qui est vraiment fort dans ce domaine, essayer de lui prendre quand même du temps sur son point fort, réussir à le gêner sur ce point fort, ça permettrait d'entamer sa confiance. Ouais, 30 à points extrêmement importants. Et le lob sur Mathieu, Mathieu qui envoie. Aïe, 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 celle-là, elle échappe à Mathieu. Très bien joué de la part de Mathis Poteau qui vient fort au corps de Mathieu.
Allez, vous avez pu voir Matic qui était parti directement derrière sur le lob. Il n'a pas hésité une seconde avant même qu'Alan touche cette balle. Il était déjà là-bas. Il a eu juste un pas à faire pour ajuster. Il a pu mettre les deux pieds, vraiment dégager le maximum d'énergie dans cette balle. Et balle de 3-0, Hugo. Et elle sort. Deuxième faute directe au service. Et 3-0. Ça suffit pour double briquet d'entrée. Mathieu et Alan qui ont perdu successivement leur service. 3-0 dans ce premier set de cette finale du BT400. Ouais, on l'avait dit, hein, Mathieu et Alan qui auraient fort à faire aujourd'hui là. Et ça se. Comme hier, Capelletti et Ramos qui se sont vus rapidement mener 3-0. Et même situation, ce poteau a servi à 3-0 hier. On va voir là si Mathy est capable maintenant de clore les débats. Il avait fait une faute de service à 12 sur son premier jeu. Et on va voir si aujourd'hui, avec cette confiance-là, il arrive à maintenant écraser ses adversaires ou on va repartir dans un score un peu plus serré dans ce premier set. Et c'est vrai que tu parlais du niveau cosmique de cette paire qui a remporté récemment les championnats du monde individuel, qui a remporté également le tournoi de Parnou. Et leur niveau est incroyable. C'est du pur délire ce qu'ils nous proposent sur le terrain d'un point de vue esthétique. C'est à la fois beau et efficace. Et ce qui est le plus étonnant, ce n'est pas cette capacité à produire des matchs dantesques, très très plaisants à regarder. C'est leur capacité maintenant à maintenir un niveau de jeu moyen très très élevé. Même lorsque ça ne va pas, ils ont les ressources dans la main, dans la raquette, de joueurs très talentueux qui ont réussi à faire une belle synergie de leurs forces. Et Mathy pour son premier jeu de service. Et 15-0 sur cette faute de coup droit de Mathieu. Clairement, deux joueurs qui ont des sur le mental et sur la technique qui sont vraiment très très bons. Hein. Mathieu et Nico qui maîtrisent vraiment ces deux aspects et qui s'appuient énormément dessus. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont réuni tous les paramètres de la performance au haut niveau, que ce soit la dimension technique, comme tu le disais, mais aussi la dimension émotionnelle, psychologique, de leur gestion des matchs, des moments chauds et une technique aussi. On sait qu'ils ont un vrai point à améliorer tous les deux, c'est sur le physique. Exactement, mais pour l'instant, ça ne porte pas préjudice. Hein. Clairement, ils sont capables, malgré un axe physique un peu peut-être moins développé que les deux autres axes, capables de gérer grâce à ces deux vraiment gros points forts hein, que sont la technique et le mental. Donc voilà, réfléchissez bien. Si vous voulez progresser au beach tennis, vous ne pourrez pas évoluer sans améliorer votre niveau de gestion mentale et votre niveau technique. Et cette balle qui sort d'un souffle là, on a vu l'arbitre attendre qu'Alan annonce la balle pour annoncer. Et sans oublier la dimension technique et au niveau des piliers tactiques, on vous parlait des qualités de tacticien, d'analyste de Mathis Poteau, et ça leur permet d'être ultra performant. Et Mathis qui continue à pilonner au service, il gêne cette paire franco-brésilienne. Ouais, Mathis qui est pourtant pas un grand pilonneur. Hein. Oh, elle est belle, celle-là, il a lâché le bras, Mathis Poteau, sur ce smash, très bien joué de sa part. Et on a une question sur le chat, Hugo, de Tom Mollaret, qui nous demande quel est le plus gros adversaire de Nico et Mathis, est-ce que c'est Baran Burmakin ou Capé Ramos? Bon, clairement, je pense que ça alterne, en tout cas, ce qui est sûr pour en avoir parlé avec Nico. Il disait que Cambaran et Burmakin sont dans des situations assez idéales au niveau de jeu. Ils sont en maîtrise et ils arrivent à jouer un très bon niveau, c'est-à-dire sans vent, avec le public qui est pour eux. Et ils sont vraiment capables de challenger Mathieu et Nico à l'inverse. Quand les conditions sont un peu plus difficiles, comme ici, bah vous voyez, on les voit perdre contre Théo et Max Anderson, Théo et Garay. Donc voilà, je pense que clairement, pour l'instant, c'est Baran et Burmakin qui les challenge. Mais clairement, ça dépend vraiment des conditions. Hein. Clairement, en tout cas, sur cette saison, d'un point de vue comptable, il est vrai que Baran Burmakin est l'équipe qui a le plus gêné dans les
tournois majeurs de la saison. Quand je parle des tournois majeurs, je parle évidemment des 35 000, des 50 000 et aussi des championnats du monde. Et c'est à trois reprises que Giannoutis Poto se sont inclinés lors de ces rendez-vous face à la paire Baran, Burmakin et elle sort. Celle-ci, entrée tendue de la part d'Alan. 15 à dans ce cinquième jeu. Allez, Alan pour la survie là dans ce premier set. Bien posé. Elle est bonne. Et oui, elle était bien partie de sa raquette. Mati qui semblait sûr de lui pour la laisser passer en largeur, mais elle touche bien cette ligne. 35. Ouais, il est grand temps là de trouver des solutions là pour Mathieu et Alan, de réagir d'urgence là. On n'a quasiment pas vu Mathieu claquer le smash là. Il a eu un smash un peu difficile, un smash sauté qu'il a loupé. Un servi au milieu, Alan qui joue côté coup droit en côté revers. Très bon smash de Nico, oh, cette balle qui s'échappe. Quel smash, quelle trajectoire Hugo, c'est un smash fond de court comme on les appelle. Ils sont difficiles et vous avez pu apprécier cette trajectoire piquée qui redescend dans les chaussettes. Bravo à Nico. Et 30 à point important, Hugo. Oui, capital dans ce premier set pour Mathieu et Alan là, qui n'ont plus le droit à l'erreur maintenant. Ils n'ont déjà plus le droit à l'erreur, en fait. Et bien jugé de la part de Mati. Quel œil de lynx au retour ou en défense. Très, très bon retourneur, mais aussi Hugo, très, très bon jugeur de balle. Voilà, il a tout de suite vu, il a laissé la balle. Il n'y avait presque aucun doute, on aurait dit. Et la balle, j'ai pas pu voir la distance à laquelle elle a atterri à la ligne, mais l'arbitre a pu réagir assez rapidement. Donc la balle devait quand même être un petit peu loin. Et maintenant, c'est une balle de triple Hugo. Break. Hein. Exactement. Et encore une fois, une balle qui sort. Et Alan qui souffre sur ses jeux de service. Et c'est le triple break. Le trou est plus que fait maintenant. 5-0 en faveur de la paire nouvellement numéro 1 mondial. Et on va partir du côté du terrain. Aux abords, où se trouve notre reporter Jérôme au micro de Versus à la bonnette jaune. Jérôme, c'est à toi. Bonjour tout le monde, bonjour Hugo, bonjour Max, salut à tous. J'espère que vous vous régalez devant son spectacle. On a la chance ici, non loin des tribunes, de recevoir un invité un peu spécial à côté de nous pour regarder ce match. Théo Irigaray, notre petit Frenchie. Qui est actuellement 8e joueur mondial, Théo, qui est un des premiers joueurs de cette génération à avoir ouvert la voie du haut niveau français. On a déjà eu à l'époque un joueur prénommé Régis Courtois qui avait déjà intégré le top 10 à l'époque, mais Théo est celui qui, de cette génération, est allé le plus haut, le plus tôt et qui a ouvert la voie pour les suivants que sont Nico Giannotti et Mathieu Gaegano. Théo est là aujourd'hui, j'ai le plaisir de le recevoir parce que j'aurais aimé partager au micro avec lui quelques expériences qu'il a pu vivre ces derniers mois. Ces derniers mois ont été compliqués, ils ont été semés de réflexions, de changements pour essayer de trouver un équilibre. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que tu as traversé cette période et qu'est-ce que tu as mis en place pour retrouver cette stabilité et ce sourire qu'on te voit retrouver sur le terrain actuellement. Ouais, c'était une période compliquée. J'avais beaucoup d'attentes en début de saison après avoir fait une grosse pré-saison en essayant de mettre des nouvelles choses dans ma préparation. Et au final, je suis tombé très haut parce que plus que des résultats, j'ai eu des contre-perfs et ça a eu beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes sur la suite de la saison, sur ma préparation, etc. Du coup, j'ai changé pas mal de partenaires pour essayer de trouver un partenaire qui convenait à mes qualités, à mon jeu, à ce que moi je recherchais. Vu que quand même, je commence à avoir assez d'expérience, je sais maintenant qu'est-ce que je recherche, de quoi j'ai besoin. Et c'est vrai que ça n'a pas beaucoup matché avec les différents partenaires que j'ai eus.
J'ai testé pas mal de gauchers parce que c'est vrai qu'après Baran, j'ai senti que j'avais besoin de jouer avec un gaucher, que c'était ce qui me facilitait mon jeu, surtout du côté revers, que ça me permettait de jouer beaucoup plus devant moi et de ne pas aller chercher des zones croisées. Voilà, ça n'a pas forcément fait. Mais là, dernièrement, j'ai continué à travailler en essayant de me concentrer surtout sur faire évoluer mon jeu avec mon entraîneur, etc. Faire évoluer mon mental, essayer d'être un peu plus dans le plaisir, d'essayer de trouver des choses différentes pour un peu me dégager du résultat et de rester focus sur le travail en étant sûr que ça puisse payer si je faisais les choses bien. Et c'est vrai que là, depuis un ou deux mois, je sens que je joue de mieux en mieux, même si je n'avais pas forcément les résultats. Je sentais que sur le terrain, je jouais bien. Et du coup, j'ai continué. Et là, je sens que les résultats commencent à arriver. Et c'est vrai que je suis content parce que ça récompense un peu ma persévérance d'avoir continué à travailler malgré la perte de résultats et de confiance. Et voilà. Ouais, merci Théo, c'est vrai que ce côté persévérant, c'est quelque chose qui te caractérise quand même pas mal. Pour te connaître un peu depuis de longues années, tu as quand même par moments des convictions qui sont très fortes et tu es capable d'aller au bout de tes idées. Et c'est aussi ça la marque des grands champions. Donc je suis content de voir un peu ton parcours, comment tu évolues, comment tu arrives à trouver les solutions, parce que je me doute que ça ne doit pas toujours être évident à gérer émotionnellement. Des fois, quand tu traverses un peu ces périodes un peu sombre, un peu délicate, où justement les résultats ne sont pas là, qui sont vraiment le moteur d'un sportif de haut niveau à l'heure actuelle. Et de te voir un peu traverser ces périodes par moments, ça peut laisser un peu un petit goût difficile à accepter. Donc comment tu gères justement ce côté émotionnel ? C'est vrai que toi tu l'as vécu de près, mais j'avais déjà eu un moment un peu similaire après la victoire au championnat d'Europe en 2018 avec Mathieu. Et j'ai essayé vraiment de me servir de cette expérience-là, là, pendant ces moments de cette année où ça a été difficile, en me disant j'ai déjà réussi à surmonter un moment comme ça. Donc essayer d'utiliser un peu cette expérience du passé pour essayer de passer cette phase-là, justement. Donc voilà, j'ai beaucoup discuté avec mon préparateur mental pour essayer de trouver de bosser sur différents aspects pour essayer de me faire du bien et essayer de me calmer par rapport à cette période-là. Et avec mon entraîneur, on a essayé de travailler sur mes points faibles pour vraiment essayer d'avoir le moins de défauts possible. Et discuter beaucoup sur l'évolution du beach, sur l'évolution de mon jeu, comment je peux faire. Et je pense que les expériences passées et de se remettre avec humilité au travail pour essayer de faire progresser mon jeu, je pense que ça a été ça surtout la base pour essayer de revenir un peu sur ce haut niveau-là. Quoi. Très bien, merci beaucoup. Une petite dernière question, puisqu'on est là au bord du terrain et qu'on a une place privilégiée pour suivre ce match. On voit à la fin de ce set, là, ce set à sens unique, que Nico vient de remporter 6-0. Qu'est-ce que tu portes comme avis, qu'est-ce que tu portes comme analyse sur ce début de match ? Les deux premiers jeux ont été à 40A. Je pense que ça a été un peu des jeux clés contre Nico et Mati. Si tu les laisses un peu prendre le large, c'est vrai que c'est difficile parce que tu n'as pas l'impression de voir beaucoup de solutions dans le jeu. C'est deux joueurs très agressifs qui occupent bien l'espace et tu es vite sous pression. Donc si tu n'es pas collé au score, c'est vrai que ça devient vite difficile. Donc je pense qu'il faudrait que là maintenant Mathieu et Alan trouvent des solutions en début de set pour essayer de rester un peu pair dans le jeu, un peu équilibré. Et je pense que si le score commence un partout, 2-2, 3-3, les autres vont commencer peut-être à rater un peu plus et vont avoir des opportunités. Et bien sûr, si les quelques opportunités qu'ils vont avoir, il va falloir les saisir parce que sinon contre Mati et Nico, si tu laisses passer les opportunités derrière, c'est très dur. Donc voilà, mais bon, je suis sûr qu'ils peuvent le faire. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de vent qu'hier. Je pense que ça favorise un peu plus Nico et Mati, vu que les jeux de Nico Vando sont très bien gérés. Donc voilà, mais bon, je pense qu'il y a encore la place pour Mathieu et Alan. Là. Super, merci beaucoup Théo. Et voilà, avec cette belle analyse que tu nous as faite, on va pouvoir maintenant rendre l'antenne et laisser nos acolytes Max et Hugo prendre le relais. Merci à tous, on se retrouve peut-être en deuxième set avec un nouvel invité surprise, vous verrez ça. Restez connectés et à plus tard. Merci. Merci Jérôme et Théo pour ces mots et cette analyse. On espère aussi avec Hugo qu'il en reste de la place pour Mathieu et Alan dans ce deuxième set. Très bien touché de la part de Mathieu et Alan qui va tranquillement, comme d'habitude, avec son bras roulé. Ah, bien joué de la part de Nico qui écarte le bloc.
Et celle-là, elle sort, elle n'est pas en maîtrise, cette défense de revers de la part de Mathieu. Et vous avez vu, sous la voix de Jérôme et de Théo, il s'est passé une chose sous vos yeux. C'est un 40-5-0 qui est allé en faveur de Nicolas et Mathis Poteau, pardon, Nicolas qui était au service. Ils ont conclu ce premier set, 6-0, 7 à sens unique pour le moment. Et là, 15 à dans ce premier jeu du second set. Et faute de longueur de Mathieu. Allez, jeu important pour Mathieu et Alan. Il va falloir relever la tête, trouver les solutions, sauter sur la moindre occasion, comme disait Théo, afin de faire douter cette paire qui est en chaleur sur ce court. Et c'était parfaitement joué de la part de Nico. Il avait bien déséquilibré Alan, mais la finition n'est pas au rendez-vous. Et 30 à désormais. Ouais, Alan qui a le bon discours avec Mathieu, là, on l'a vu, il essaye tout de suite de remettre Mathieu à l'instant présent. On oublie ce qui s'est passé avant. Maintenant, on joue ce point-là. On joue tous les points à fond. On a vu Alan là qui a manqué de peps là, pour finir ce point tout à l'heure, d'explosivité pour aller chercher un vrai smash. Il a fait un bras roulé puis un smash moyen et tout de suite ils se sont fait prendre derrière. Quel service et quel retour de la part de Mathieu, et c'est bien joué. Quelle bien défense revenu d'Alan Loeb là. Bravo Mathieu, bravo Alan, et voilà. Dans ce deuxième set, il faut qu'il parte devant là. C'est très très important maintenant de réussir à prendre une option dans le deuxième set. Et Mathieu qui dit à Nico de se calmer dans le rythme de jeu. Sur ce dernier lift qui accroche la bande, ce coup droit lifté. Allez, Mathieu Gagano au service. Et celle-là, elle reste dans le filet. Il fait du bien ce premier jeu. Ils ouvrent le compteur dans cette finale du $35,000 de Saint-Georges. Et les voilà devant, hein, Max. Ils mènent hein, dans ce second set. Hein. C'est vraiment là où on va voir s'ils arrivent à avoir cet effet boule de neige là avec ce premier jeu, réussir à passer devant, puis petit à petit gratter de la confiance point par point, jeu par jeu, et réussir à dominer leurs adversaires. Pour l'instant, vraiment, Mathieu et Nico, depuis le début du tournoi, sont impeccables, irréprochables. Ils font une partition très très proche de la perfection. Et là, on va voir maintenant si Mathieu et Alan sont capables de trouver des solutions pour les gêner. Sur ce premier jeu de service de ce poteau, là, je pense vraiment que l'option, elle est là, elle est maintenant. Hein. Sur ce jeu, quand ce poteau sert, il y a quand même un peu plus de place que quand Nico sert. Ça va donc être maintenant, là, pour Mathieu et Alan, qu'il faut partir devant, faire une vraie diff. C'est un service d'un centimètre dehors. Très, très bonne chose, là, pour Mathieu et Alan, qui vont pouvoir gratter un petit peu de confiance et venir mettre la pression à leurs adversaires sur ce retour-là. Essayer de trouver l'espace libre, Max, sur ce retour-là. Ouh, le LED, ça fonctionne. Aïe, 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 c'est un peu haut, ça, pour Mathieu. Alan, très bien touché en revers. Et pour Mathieu qui attendait totalement. Alan, qui n'a pas été surpris de cette défense. Attention, là. Oh là là, un très bon lob de la part de Mathieu. Oh oui, on y est, on a nos premières séquences qu'on désire tant sur ce court central. Le jeu est lancé, les amortis sont au rendez-vous, la qualité de jeu également. On attend ce genre de points, on attend ce genre de combat sur ce court central, dans cette confrontation inédite. Alan, Mathieu contre Nico et Mathieu. Et 0-30 désormais. Intéressant ce début de set, Hugo. Bien servi. Servi 15-30. Ah, Mathieu qui dit à Alan qu'il n'avait pas besoin d'aller si loin. Et service très plongeant. En tout cas, le point de tout à l'heure, je pense que c'est un point highlight là, du tournoi. Il y a eu de tout. Ah, très bon lob de Mathieu. Mais oui, et oui. Très balle. Bien joué. Lob dans le bon timing. On avait vu hier Capéramos qui. Théo, pardon. Et Max qui tentait d'aller un maximum derrière le dos d'Alan sur son côté gauche qui se livre énormément, on vous le disait hier. Et là, Mathieu a très bien exploité cette faille sur ce coup. 30 à.
Et belle intervention. 1-2 combination from Nico et Mati. Ouais, retour un peu flottant là et tout de suite ces sanctions là. Alan qui est pourtant vraiment un très bon retourneur. Je trouve que ce poteau là, avant de face, fait un travail incroyable pour l'instant au service depuis le début de ce match. Il laisse vraiment très peu d'opportunités à ses adversaires de le gêner. Voilà, c'est un très bon lob d'Alan qui sent vraiment le jeu. Allez, bien joué de la part d'Alan. Très beau retour de la part de Mathieu. On vous parlait de l'importance du retour. Le retour d'avant qui flottait et qui, à ce niveau-là, ne laisse pas du tout la place au doute. Il faut retourner parfaitement dans la bonne zone avec la bonne hauteur et la bonne vitesse pour ne pas se faire agresser sur cette seconde balle. Puisque Mathieu, comme Nico, rôde à l'interception. Allez, 40A, premier 40A. De ce second set. Très bien retourné de Mathieu qui prend sa chance et malheureusement elle sort. Allez, ce poteau qui exulte, il est heureux de voir ce match sortir. Mathieu qui a décollé peut-être un centième de seconde trop tôt. Il n'a pas réussi à faire redescendre cette balle. Il était pourtant monté dans les airs. Il affectionne cette posture dans le jeu, mais celle-là, elle sort. Allez, jeu. Important. Mathieu a essayé de compenser le retard là, clairement en sautant et en prenant cette balle pour faire un point gagnant. Il avait plusieurs options de faire jouer. Il a pris l'option de faire le point ou en tout cas de prendre le risque max. Ça n'a pas payé. Pourtant, on le connaît dans ces moments-là. C'est un joueur qui est capable d'être audacieux et de trouver ce genre de solution. Encore une faute de service de la part d'Alan, elle sort en longueur. Mathis Poteau qui ne se fait pas avoir et qui ne se fera pas tromper. Un beau là, faut y faut là. Et oui, Mathis qui l'attend, rentré tendu en face de lui. Il était prêt et il a pris du temps sur son adversaire en face de lui. Ouais, j'ai hésité à le dire tout à l'heure, mais c'est vrai que ce 40A avait vraiment une double valeur parce qu'on savait qu'Alan derrière au service Vando pour l'instant n'a vraiment pas trouvé d'option. Et tout de suite là, il est vraiment sous pression. Hein. Faut se rendre compte, il sert faute parce qu'il sait que s'il sert trop lentement derrière, il se fait manger. En plus, il a le vent dans le dos. Cette fois, le LED qui va permettre de recoller un petit peu là, 15-30. Allez, il va en falloir plus qu'un LED là hein, pour recoller maintenant. Il va falloir vraiment que les joueurs réussissent à monter leur niveau de jeu, à proposer quelque chose de plus intense, qui mette plus Nico et ce poteau sous pression, dans la difficulté. Bien servi Alan. Et cette balle qui s'échappe. 30A, voilà un bon service qui fait exploser ce poteau pour la première fois du match là. Il va lui faire du bien ce service à Alan. Allez. Belle trajectoire, belle vitesse. Il va falloir reproduire ça là maintenant. Allez Alan, allez Mathieu là, vamos moi Alan. Et 30 à. Et oui, bien rentré. Il a fallu 4 coups pour mettre à mal Mathieu et Alan. Et ces 3 derniers coups tendus sont parfaitement réalisés par Mati et Nico qui prennent tout doucement l'ascendant dans ce point et ils s'offrent une énième balle de break sur le service d'Alan, 30-40. Ouais, progressivement Nico qui prend l'avantage et qui améliore son avantage à chaque frappe. Très bien rentré Alan, mais quelle défense lob de Mati. Encore oui, un toujours lob la même Alan. Séquence Hugo. Alan qui est en train de passer à côté de son match, hein, Max, hein, qui donne très peu de confiance. Qui donne très peu de confiance à son partenaire là, Alan qui vraiment qui fait une mauvaise entame. On avait vanté sa constance dans les 2 premiers matchs. Il nous avait vraiment montré. Alors est-ce que le niveau en face est trop élevé et sa constance ne suffit pas? J'en ai aussi parlé hier du fait qu'Alan, quand il est dépassé, il a peut-être un peu moins d'options que certains joueurs du top 15, car il n'a pas ses coups avec prise de risque. Ses coups, il peut vraiment renverser un match, faire une vraie différence. Cette différence, il va plutôt la faire sur le long terme avec des adversaires quand les adversaires vont
ont baissé leur niveau de jeu. Et là, pour l'instant, il n'y a aucune baisse de niveau de jeu du côté de Nico et Mati. Et c'est une domination sans partage avec un break dans ce deuxième set. 6-0, 2-1. Je ne sais pas exactement, on a commencé ce match depuis combien de temps, mais ça vire vraiment avec une tournure très très mauvaise pour le spectacle. On va voir ce qu'ils sont capables de nous proposer, Alan et Mathieu, dos au mur face aux numéro 1 mondiaux. On sait qu'ils ont de la ressource. Maintenant, il s'agit de voir si Nicolas et Mathieu ne sont pas trop supérieurs. Il y a Alan et Mathieu qui n'ont pas une fois réussi à marquer 3 points sur le jeu de Nico. Hein. Plus que de le breaker, même arrivé à 40, ça devient une mission très compliquée. Là, attention, troisième jeu de service de Nico Giannotti maintenant. C'est sûr que ce jeu-là, il est complexe pour Mathieu et Alan. Et il est complexe. Incroyable. Pour cette raison, et pour cette raison, puisque Nicolas, au service, est d'une solidité implacable. Cette balle qui monte mais qui descend tout de suite derrière et elle finit sa course juste devant la ligne. Ace sur le coup droit de Mathieu et 15-0. Oui, on voit tous les joueurs dans une énorme difficulté à servir avec ce vent d'eau côté là, un vent quand même assez latéral. Et Nico, lui, qui se régale, qui enfile les aces, qui envoie que des brins. Il retourne sur Mathieu. La hauteur de la balle qu'il joue. Malheureusement, cette balle s'échappe. Il est un peu étonné alors qu'il avait pris un risque max là, sur cette entrée après son service. Il avait cherché vraiment l'angle, là, la lucarne. Encore un très bon service. Il lui échappe. Ou très heureusement pour nous. Allez, 15 à. Il faut y croire là. Il faudrait que Mathieu continue à retourner avec cette qualité là. Nico qui évite quand même d'aller sur Alan. J'ai l'impression au service qui insiste un peu plus sur Mathieu. Milieu, Mathieu, il n'a pas beaucoup servi sa diag. Là, il se décale là-bas vers l'angle. Alors, où est-ce qu'il va servir maintenant? Et il retourne sur la ligne de Mathieu. Quelle défense de la part d'Alan. Oh là là, et celle-là, ce n'était pas la plus dure du point parce que cette défense, elle était compliquée à ramener dans le terrain. Alan qui se trompe là, hein. Ce n'est pas son rôle là. Il doit plutôt fermer la ligne sur ce smash, ce bras roulé. Mathieu était là, prêt à défendre avec son revers. Alan s'est jeté et a loupé cette balle. Évidemment, s'il la met, on crie au génie, malheureusement. Si on répète cette séquence, on aura un pourcentage de réussite assez faible là, avec Alan qui se déplace vers le côté pour jouer cette défense, alors que Mathieu était ancré. 35, quel service, oh là mais quel là retour. Là. Il est parfait. Il a bien touché. Et Nico qui part sur Alan, côté revers. Lob grand diag. Oui. Et voilà, Mati qui est pris dans son dos. Ça va faire du bien à Alan. Il serre le point sur ce lob rondement réalisé. Allez, hein, on veut hein, voir Mathieu et Alan là faire ce point là, ce point capital là dans leur survie. Exactement. Dans ce second set et même dans cette partie, le public qui pousse là derrière Mathieu et Alan. Allez, il faudrait que tout le monde pousse là derrière Mathieu et Alan pour qu'ils créent le petit exploit d'aller breaker Nico. Et ils en ont besoin à 30 à. Service milieu. Oh là là, quel retour! Et sur Alan la ligne. Et oui! C'est bloqué parfaitement. Elle est passée derrière Mathis Poto et elle finit sur la ligne. Allez, c'est maintenant là, attention, parce qu'on le connaît, Nico à 30-40. Il a tendance à accélérer, à en mettre plus. Mathis qui va couvrir sur la seconde. Mais là, on sent qu'Alan a une vraie option en retour, ça a déjà marché plusieurs fois. Il s'appuie sur ce vent pour aller chercher l'angle là-bas qui élimine totalement ce poteau et qui oblige Nico à faire un déplacement latéral après son service alors qu'il engage un déplacement vers l'avant. Très bon service, un peu plus haut malheureusement. Ouais, Alan qui retente un lob là-dessus. Et celle-là, elle ne passe pas derrière Mati. Il a tout le temps de venir la rabattre, la claquer dans le sable du côté d'Alan. Et oui, il refait le geste à blanc. Et celle-ci n'a pas été suffisamment bombée. Nico qui a un peu ralenti au service, Max. Là, tu as vu, il a un peu varié. Et ça a payé à 30-40. C'est osé comme choix. Hein. 2-1, 30-40, là, de venir ralentir. On pourrait se dire, avec la qualité de service, qu'il faut qu'il fasse un gros service, un service gagnant. Et il sait que ses adversaires s'attendent à un gros service. Donc le service moyen, avec beaucoup de pourcentage, paye dans ce cas-là. 40 à.
Encore un 3 en service et ça va payer. Encore un deuce de perdu là pour Mathieu et Alan. Ça commence à faire beaucoup là. 3-1 service Mathieu. Mathieu qui sert, qui est déjà presque dos au mur là, tout proche de la rupture. Il va falloir vraiment en mettre un petit peu plus pour Mathieu et Alan tout en gardant une certaine constance. C'est vraiment délicat. Le curseur à ajuster là pour trouver la clé. Encore un 40A parfaitement maîtrisé de la part de Nico. C'est à Mathieu de servir. L'envers croisé de Nico là qui couvre directement et qui loupe un smash. J'ai une interrogation, Max. Combien de fois Nico a-t-il perdu ce jeu de service dans ce tournoi? J'ai regardé beaucoup, beaucoup de matchs de Nico et je me demande si je l'ai vu perdre un seul jeu sur ce week-end là. J'ai les mêmes. Et elle sort. Et elle sort, celle-ci. Attention, le petit baisse. La petite baisse, peut-être, là, qui vient pointer le bout de son nez pour nous régaler, là. On l'espère, en tout cas. Pour le combat, pour le spectacle. Que Mathieu et Alan puissent revenir, relever la tête, la sortir de l'eau dans cette seconde manche. Mathieu et Alan qui ont perdu 4-40, je crois, Tom, jusque-là. Et ça l'adresse du côté de la paire franco-brésilienne. Et tu parlais du service de Nicolas. J'ai également fait un bon petit tour toute la semaine sur Relais Terrain. J'ai regardé Nicolas plusieurs fois et je n'ai également pas vu de service concédé. Pourtant, avec le vent qu'on a vu ce week-end, on pourrait se dire que ça, c'est presque un exploit de gagner un jeu de service Vando. Et lui, c'est presque une surprise quand il en perd un. C'est vraiment incroyable cette qualité qu'il est capable de dégager au service là. Et elle sort en longueur. Celle-ci, Alan qui passe derrière Mathis Poteau et ça. C'est la troisième faute hein, dans ce jeu des deux joueurs. C'est peut-être autant que le nombre de fautes qu'ils avaient fait depuis le début, j'ai envie de te dire. Sur des coups faciles comme ça. Un smash pour Mati, un rush. Nico, un smash boisé. Ils avaient une telle qualité de réussite en même temps depuis le début du match. Il fallait bien qu'à un moment ça redescende un poil. Et on l'espère, c'est en train de redescendre un poil pour le spectacle. Allez, maintenant il faudra que Mathieu la sécurise ce jeu assez facilement pour garder de l'énergie, éviter de se retrouver à batailler encore sur un deuce et encore avoir beaucoup d'énergie mentale à dépenser là. Gagner un jeu facile, ça leur ferait vraiment beaucoup de bien. Encore une fois derrière Mathieu, mais celle-ci elle sort, il y allait deux fois. Il insiste derrière l'Italien. Alan qui fait encore un choix étrange de venir défendre cette balle, je trouve, Max. Il était loin avec son coup droit. Mathieu avait l'air plutôt placé pour défendre en revers une fois de plus. Et Alan, je le trouve moins patient, un peu moins lucide que les derniers jours. Je ne sais pas si c'est le fait de jouer. Eh oui, on en parlait de la petite 5. Elle est de retour sur le court central. Mathieu qui crie, qui s'encourage après ce gain de son jeu de service. Et on va profiter de ce changement de côté pour envoyer notre reporter Jérôme au micro à la bonnette jaune qui va nous rapporter quelques mots. Voilà, nous voilà de nouveau avec un nouvel invité à côté de moi. J'ai l'honneur et le plaisir de pouvoir recevoir Michele Cappelletti au micro. Michele, tu es l'un des plus grands joueurs de l'histoire de notre sport. Tu as tout gagné. Tu as été plusieurs fois champion du monde et également numéro un mondial pendant de nombreuses années. Moi, ce qui m'intrigue, ce que je voudrais savoir, c'est quel est le secret de cette longévité? Parce que ça fait quand même 12 ans que tu es au plus haut niveau, que tu trustes tous les plus gros titres du circuit. Qu'est-ce qui est, tu mets en place pour en être là encore aujourd'hui? Merci Jérôme, bah, écoute, je suis la première chose, je pense que tu dois aimer ce que tu fais. Donc en cette case-là, le beach tennis vraiment c'est ma vie. Mon père il est un entraîneur de beach tennis, il était un des premiers entraîneurs de beach tennis dans tout le monde. Un des premiers coachs, on peut dire. Et donc la patience, ça fait toujours la différence. Et après, moi, je pense qu'honnêtement, mon secret, c'était toujours m'entraîner. L'entraînement, c'est tout pour moi. Il n'y a pas honnêtement de grands secrets. C'est avoir toujours la motivation de s'améliorer et s'entraîner. C'est toujours le truc le plus important. Même entrer à un niveau top qu'il y a, il faut toujours s'entraîner plus, avec plus de motivation. Et la volonté d'essayer toujours de gagner, toujours de m'améliorer. Ça, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire dans les derniers 14 ans comme joueur professionnel et j'essaie encore de continuer comme ça, même s'il y a une nouvelle génération qui sont en train vraiment d'arriver très fort et qui joue vraiment super bien.
Très bien, merci beaucoup pour ces informations. En tout cas, voilà, cette notion de travail, ces valeurs que tu dégages dans ton projet, c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup de respect, je tiens à te le dire. Je trouve que tu fais partie de ces joueurs sur le circuit qui sont très professionnels, très organisés, très structurés et qui mettent toujours tout en œuvre pour tendre vers la performance. Et il faut croire que ça paye puisque cette longévité est aussi le résultat et le bénéfice de tout ce travail. Une dernière petite question par rapport à ce match qui se déroule devant nous. Qu'est-ce que tu penses de cette finale qui se déroule sous nos yeux ? Mais alors, honnêtement, Jérôme, merci beaucoup pour les bons mots. Tu es vraiment très gentil, première chose. Et on a toujours, moi et toi, une bonne connexion sur les beats, sur ce qu'on doit, on doit pas faire pour être des professionnels. Et je suis vraiment content du travail que toi, tu es en train de faire avec toute l'équipe de France. Les beats sont en train de se développer beaucoup en France. Et je suis content, honnêtement, de regarder cette match-là maintenant avec deux Français dans les terrains. Honnêtement, je pense que maintenant, Nico Zanotti est en train vraiment d'être le meilleur joueur du monde. Je ne peux pas dire que Matty Spott il n'est pas, il est italien comme moi, mais Nico il est vraiment en train d'être dans un moment, je pense, incroyable. Il est capable de jouer à un niveau, pour moi, que j'ai presque jamais vu dans ma vie, dans les derniers 14 ans. Il est vraiment complet comme joueur, il est capable de faire tout. Il serve à faveur du monde super bien, il est solide dans les retours, il joue bien. Et ils sont vraiment en train, lui et Matty, de jouer une saison extraordinaire. L'année dernière, moi et Anthony, on était capables de gagner les titres plus importants. Mais cette année, honnêtement, ils ont continué à améliorer. Et ils méritent d'être les meilleures équipes du monde. Et dans cette match-là, où Mathieu et Alain sont en train de jouer un match solide, Matty et Nico, ils sont capables de jouer bien toujours les points les plus importants. Ça fait la différence quand tu es en confiance. Il y a eu beaucoup de 40 partout et presque tous les plus importants, ils ont gagné Nico et Matty et ils ont joué vraiment de manière très, très solide. Ça fait la différence, mais ils méritent vraiment tous les deux d'être le numéro 1 dans ce moment-là. Très bien, merci beaucoup Mickey. Je te souhaite le meilleur pour la suite de ta saison et pour le reste de ta carrière. Moi, je vais rendre l'antenne à vous, Max et Hugo, pour la suite de cette finale et à plus tard. Merci Jérôme pour ces mots recueillis sur le terrain derrière nous avec Michele qui regarde cette finale avec attention. Et ici il y a eu des beaux points pendant ce temps. 4-2 du côté de Gianotti Spoto. Il y a Alan là qui sert clairement hein, pour avoir une chance de continuer à jouer sur ce terrain central de Saint-Georges-de-Didonne. Là ça devient très 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 compliqué là. Ça va être difficile de trouver des solutions, difficile d'aller chercher ce jeu. Tous les points deviennent très difficiles, Max. On n'a plus de marge et on a deux joueurs, comme le disait Capelletti, qui survolent. Hein, qui survolent ce tournoi, qui sont en train de maîtriser leurs adversaires de A à Z sur cette compétition. Et ils sont maintenant à quelques points du titre. Allez, celle-là, elle reste dans la raquette de Nico, qui a voulu déplacer le jeu comme il adore le faire avec son coup droit. Sur le revers, sur le coup droit, bas. Ouais, avec ces petites fautes là, Nico et Matty qui nous rassurent un peu. Hein. On se dit quand même, ils sont humains. Exactement. Hein. Parce que des fois, on se demande vraiment d'où ils sortent, ce qu'ils prennent, parce que c'est vraiment exceptionnel. Ils sont pas du tout impressionnants de l'extérieur quand vous les voyez sans raquettes de beach. Et attention, quand ils rentrent sur le terrain, ça devient des vraies machines de guerre. Hein. Regardez encore la justesse de Matty Spoto. Quel dommage, mais quel sens du jeu, Max. Il avait totalement dominé la situation une fois de plus en deux frappes. Le retour et tout de suite prise de balto. Il va chercher derrière Alan. On en a beaucoup parlé de ce point faible derrière Alan. Et aujourd'hui, on l'a vraiment vu au grand jour, ce point faible, hein, Max. Derrière lui, là-bas, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup maintenant de lob sur son revers, sur ses entrées tendues là qu'il a tendance à faire un peu trop souvent. Il se fait punir à chaque fois, il perd l'avantage, il perd le point. Et hier, il a réussi à compenser dans ce type de situation avec Mathieu qui l'aidait à le couvrir, mais ce n'est pas tout le temps possible. Et lorsqu'on joue une équipe de ce calibre, ça devient de plus en plus délicat de couvrir cette zone de gauche. Et led faute. Même ce led qui ne paye pas. Et là, on va être sur un point, Hugo, qui est plus qu'important. Je n'ai pas le mot pour définir ce point. Ouais, bah c'est un peu le point de la survie, là, clairement. On sait que Nico derrière va servir. Il n'a toujours pas perdu plus de 2 points sur un jeu de service. Attention.
Allez, Alan au service là, 40 à 2-4. Qu'est-ce que c'est bien posé de la part de Nico là, ce petit décalage en coup droit pour aller chercher la zone revers. Et nous voilà 5-2 malheureusement. Attention, ça va être très très compliqué là. Maintenant 6-0, 5-2, on assiste à une démonstration. Hein. Un niveau jeu de beach tennis comme nous en a parlé Capé. Hein. Capé qui est actuellement encore le god du beach tennis avec près de 5 années, un peu plus de 5 années en tant que numéro 1. Qui a gagné 5 championnats du monde. Et lui-même, il nous dit, là en ce moment, ça va un peu vite pour moi. Je me demande si c'est pas le niveau de beach, le meilleur niveau de beach que j'ai jamais vu de ma carrière. Effectivement, Nico et Mati nous proposent un jeu, un niveau de jeu d'une qualité impressionnante, époustouflante là. Et on se demande vraiment qui va venir les challenger. Moi, j'ai une petite idée, Max, sur un joueur en particulier qui pourrait éventuellement, dans les années à venir les taquiner. C'est Nicolo Gasparri, hein, un des grands espoirs du beach tennis italien. Un joueur qu'on voit un peu comme Mati, un peu comme Nico, qui sait tout faire, qui prend des vraies responsabilités et qui est capable vraiment de surprendre ses adversaires jusqu'au plus haut niveau. Malheureusement, il s'est incliné dans cette partie justement contre Nico Giannatti et Mathis Poto. Oui, c'est vrai. Il avec s'incline. Son partenaire Gabriel Gini. Oui, c'est vrai. Ils s'inclinent. Ils se sont inclinés 6-3, 6-2. Mais comme tu le disais, Nicolo Gasparri est très prometteur pour la suite. Et gros service encore de la part de Nico. Allez, Nico qui continue à dérouler au service là. Est-ce qu'il va trembler dans ce jeu? On l'a rarement vu trembler dans ces situations, Max. Hein. Eh oui, je sais, mais tu sais, je prêche. Mathieu qui fait le petit match en contrôle, qui continue à jouer son match. Mathieu qui prend une bonne option là. Mathieu qui allez, surgit. Allez, on y croit là. Et bien sûr qu'on y croit, Hugo. On veut que le spectacle continue ici sur ce court et devant votre ordinateur, votre télévision, votre téléphone portable, votre tablette. On a envie de vous tenir en haleine. Mathieu qui demande au public de se réveiller. Il en a besoin. Il faut créer la surprise sur ce jeu de service. Il faut aller chercher ce break pour rester en vie dans ce match. On retourne Nico qui se trompe sur et cette bien entrée. Jugé. Bien jugé de la part de Mathieu. Retour légèrement derrière lui, mais efficace. Elle est restée dans le terrain avec une trajectoire plutôt bonne. Et Nico qui en met un petit peu trop sur ce rush. Et 15-30. Ah, le petit moment de doute. Le voilà, le petit moment de doute. Et là maintenant, Mathieu et Alan qui vont avoir une chance là. Une chance là de revenir. Et de pouvoir continuer à jouer sur ce central court là. Nico qui relance, qui va relancer cette balle. Ouais, on sent là, hein, au moment de conclure la partition parfaite, on a toujours un petit moment de est-ce que je vais vraiment faire ça aussi bien que ça? Et là pour l'instant, oh là là, et oui, et voilà, le premier break, peut-être le premier break du tournoi. On voit Nico qui fulmine un peu à l'intérieur. Hein. Il aurait aimé hein, que ce soit plié là, 0 et 2, rentrer à la maison avec les points, la coupe et les sous. Malheureusement, Mathieu en a décidé autrement sur ce jeu. Il a suffi d'un point pour faire trembler Nico. Hein. Un seul petit point et Nico qui a enchaîné deux erreurs derrière. Comme quoi, ça peut vraiment tourner rapidement. Et voilà une série de 3 points pour Alan et Mathieu maintenant. Allez, il faut qu'il continue cette série. Et là, qu'on surfe sur cette série pour pouvoir recoller à 5-5 et qu'on y croit à nouveau à cette victoire là. Et on y a cru. On a envoyé des bonnes ondes en tout cas pour que ce spectacle puisse continuer. Et Mathieu qui se fait haranguer par le public. Son nom est scandé dans la foule royanaise autour de ce terrain, dans la tribune, sur le remblai, sous les Tivoli. C'est parti. Premier service et elle est. Oh là et elle sort de quelques centimètres. Balle qui s'échappe. Malgré le vent qui la retient un petit peu. Elle était bien frottée, mais hier je trouve qu'on sentait Mathieu servir avec un peu plus d'impact dans cette balle. Une balle qui sortait avec un peu plus de poids. Aujourd'hui il la frotte un peu plus comme si c'était pour sécuriser. Alors que je pense que c'est peut-être le match où il a le plus besoin de sa qualité de service là. Un bon service, une entrée bien négociée. Oui, un
Radek. Oui, monsieur. Attention. On a vu Alan hein, gagner des matchs incroyables comme ça. Hein. Des fois mener un set, un break et revenir. C'est vraiment un joueur qui est capable d'aller chercher si les adversaires doutent un peu. 15A. Bien servi. Bien rentré. Et celle-là, elle sort. Le matcheur qui fait encore le travail là. Un très bon travail là. Très belle percussion une nouvelle fois. Il adore ce genre de séquence. Il adore ce genre d'enchaînement. Allez, il faut aller pousser là. Mathieu à servir. Mathieu qui ne s'est pas effondré là. Après ce premier service faute là, dos au mur. Il a réussi à en remettre derrière et à vraiment prendre des vraies responsabilités là. Et lancé à gauche. Mais il connaît. Et celui-là, il est et annoncé cette balle qui bonne. Reste annoncé par l'arbitre, je la vois vraiment faute. Moi aussi, je la vois faute aussi, Hugo, celle-ci. Mais elle est annoncée mais, bonne. Ouais, Mati qui n'a pas hésité une seconde. Hein. C'est Mati le plus proche des quatre joueurs et il a été totalement d'accord. Je ne sais même pas si Mathieu l'a défendu avec la raquette, cette balle. On sent que Mati et Nico se frustrent un peu là. Hein. Regarde, Nico qui sourit, Mati qui ne sourit pas du tout, lui, qui n'a vraiment pas apprécié cette défense-là. Et balle de 5-4 maintenant. En 5. Encore une fois, c'est très bien touché, très bien servi de la part de Mathieu qui aime cette zone 5 lorsqu'il est en confiance. Et là, il nous montre qu'il est là, qu'il n'a pas dit son dernier mot. Alan non plus. Et Alan qui a fait un petit signe vers son clan là en leur montrant que visiblement la tension était en train de monter chez ses adversaires, que ça allait devenir un peu plus compliqué à gérer. En attendant, c'est Mathias Poteau qui a les balles en main. Pour conclure ce set, conclure ce match et rentrer à la maison avec le titre. Alors évidemment, Mati qui a souvent un peu plus de mal que Nico à gagner ses jeux de service. Mais on le connaît, c'est un très très grand joueur avec un mental d'acier. Et il va vraiment être testé sur ce coup-là, Max. C'est un vrai test là, après avoir dominé une partie à ce point-là. On sait que se faire recoller comme ça, ça peut faire très mal au moral. Donc là, attention, ce sera 6-4 ou 5-5 à l'issue de ce jeu. Moment décisif, money time. Et tous les yeux sont rivés sur ce jeu de l'Italien. Le jeu qui va permettre soit de conclure, soit de remettre Alan et Mathieu dans la course. Et premier service, Tony Truant de la part de Mati, ace milieu. Ouais, une 15-0. Qui tombe à 5 cm de la ligne et qui passe à 5 cm du filet. Une trajectoire parfaite. Hein. Mathieu et Alan qui sont tous deux des très bons retourneurs qui n'ont pas eu le temps de réagir. Et encore un service gagnant de Mati. Alan qui veut changer pour faire réfléchir les adversaires. Un choix rusé mais qui peut parfois vous porter préjudice. Alors attention. Maintenant on va voir si Mati arrive à garder cette qualité de service jusqu'à la fin. Un peu moins rapide ce service. C'est... Oh là, cette balle qui sortait. Nico qui se jette encore une fois. Attention Mati qui a un lob. Mathieu qui monte. Et oh là qui là. Rentre oh à l'envers. Encore une ça défense. C'est incroyable. Oh là là. Et Alan qui vient encore au milieu. Un choix très très étrange d'Alan là, de venir au milieu. Et le fuck de Nico sur Mati qui râle après ce gain du point. On connaît sa personnalité. Et ça a été des retournements de situation lors de ce point, des permutations, des compensations, mais in fine, ça va du côté franco-italien. Et c'est une première balle de match, Hugo, dans cette finale du $35,000 de Saint-Georges. Le public qui ne se trompe pas, c'est parti. Aïe, cette balle qui n'était pas centrée malheureusement. Jeu 7 et match en faveur de Nicolas Giannotti et Mathis Poteau qui montrent sous le ciel royanais qu'ils ont bien fait de venir sur ce tournoi dans leur programmation après par nous puisqu'ils confirment leur statut de numéro 1 mondial. Ils sont injouables en ce moment, Hugo, ils nous ont régalé toute la semaine, ils ne concèdent aucun set, très peu de breaks, solides dans tous les secteurs du jeu, je ne sais pas qui va pouvoir les faire douter dans cette fin de saison, mais là ils montrent encore un visage exceptionnel
Oui, on sait qu'au Brésil, hein, ils sont souvent malmenés avec le public qui pousse vraiment les adversaires, avec un public presque hostile. Hein. Il y a déjà eu plusieurs fois polémique sur cette façon d'encourager les joueurs. C'est peut-être le seul endroit où ils sont un peu moins bien, mais en Europe, en tout cas, ils sont clairement sur le toit de l'Europe et même en ascension sur le toit du monde. Hein. Ils ont déjà le classement, maintenant il va falloir confirmer, enchaîner les très bonnes perfs, enchaîner c'est avec cette constance, garder ce niveau de jeu. Non, il ne veut pas. Allô ? Non. On fait pas. On va le voir bien, on va le voir, Nico. On va le voir. Allez, maintenant on va passer à l'interview. On peut applaudir, s'il vous plaît. De Guillaume Saint qui va interviewer grand vainqueur de ce 13e Open International. ITF 400 de Saint-Georges de Didonne. Alors, moi j'ai une question simple, Nico, qui va faire mon traducteur en plus, parce que c'est pratique, il parle toutes les langues, ce monsieur. Première manche, 6-0, tout se passe bien. Vous réussissez tout, sans non plus surjouer. Et deuxième manche, tu commences à faire quelques erreurs que je t'ai jamais vu faire, entre guillemets. Pourquoi ? Comment ? Explique-nous, qu'est-ce qui peut se passer ? En fait, je ne sais pas trop, ça fait 2-3 matchs, 2-3 finales où ça se passe un peu comme ça. À part nous, c'était pareil la semaine dernière, on met 6-0 au premier set de la finale et derrière, je me crispe un peu ou je me relâche, je ne sais pas encore, j'essaie de trouver, je ne sais pas quoi faire. Et franchement, je ne sais plus quoi faire pour avoir le public avec moi. Dans tous les pays du monde, le public est contre moi, aussi ici, il est contre moi. Je suis allé à La Réunion, je contre Mathieu, le public était pour Mathieu. Le seul moyen, c'est que je perde le premier set pour que peut-être le public soit avec moi, mais pour l'instant, je compte caper aussi. Mais même, c'était pas comme ça. Il y avait plus de public là pour Mathieu que... Non, je sais plus quoi faire, mais c'est pas grave. Pour l'instant, je suis content, je gagne, et je suis heureux, mais... Non. C'est juste le petit truc qui m'a fait marrer. Ça m'a donné un tout petit peu énervé sur le match, mais c'est de la bonne adrénaline, ce qui fait un petit peu fermer un peu le visage, mais ça permet de se reconcentrer aussi, c'est pas mal. Non, c'est cool. Merci à tous d'être venus voir. Merci à tous d'avoir encouragé Mathieu, c'était sympa. Et j'espère à l'année prochaine. Merci beaucoup Nico. Du coup, moi j'ai une question pour Mattia. Du coup, tu me feras la traduction, je m'en fais pas là-dessus. Mattia, qu'est-ce qui s'est passé ? Nico, il sort un peu de ce match. Toi, du coup, un petit peu agacé, on va dire, hein, si c'est le bon mot. Ils remontent à 5-4, tu dois servir, le public en folie sur Mathieu. Et là, moi, je vois sur ton visage, t'es concentré, t'es la bouche serrée dans ta tête. Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là là ? Ah, ero molto concentrato sul 5-4. È un periodo che in quasi tutte le partite nel secondo set arranchiamo un po' di più che nel primo. Quindi sono partito nel secondo set già consapevole che sarebbe potuto succedere. Ero sicuramente sul 5-4 concentrato, stavo battendo bene, mi sentivo in fiducia, quindi non ero troppo nervoso. Sapevo che avevo buone possibilità di vincere il turno di servizio e di conseguenza la partita. E è stato una settimana difficile, piena di complicazioni, perché sono stato molto malato. E ho avuto la febbre alta, ma per fortuna sono riuscito a giocare, entrare in campo e esprimere un buon beach tennis. Era tantissimo tempo che non mi allenavo col mio socio in Italia e adesso che abbiamo avuto un periodo di pausa ci siamo potuti allenare e stiamo notando i benefici. E... Devo mi ricordare di tutto. Sì, e basta. Merci Mathieu. Bravo, moi. Ah, Nico. Non, il a dit que il a senti ça avec plusieurs matchs et ça se passe comme ça un peu où je joue un petit peu mal, où lui aussi de temps en temps au deuxième set on cale un peu, mais il était très concentré, il avait beaucoup de confiance avant de servir parce qu'il a très bien servi tout le match et tout le tournoi contre le vent là, donc il savait qu'il avait de grandes possibilités de gagner son jeu, donc il s'est juste concentré sur point par point et après il a dit que c'était très difficile de jouer pour lui tout le tournoi parce qu'il a joué avec 39 de Fèvre tout le tournoi. Donc je sais pas comment il a fait pour réussir à jouer, ça c'est moi qui le dis, c'est pas la traduction. Et non, il a joué avec 39 de fièvre, donc c'est incroyable. Et il a dit, on s'est entraîné quelques semaines ensemble en Italie, ça, et on voit tout de suite les bénéfices dès qu'on s'entraîne avec notre coach, Dani Cirella, qui est juste là, en gris, là, monsieur avec la casquette. Et bravo à lui aussi, qui fait un travail incroyable. Et non, et merci à tous. Ouais, merci beaucoup les garçons, encore bravo, on vous retrouvera ce soir pour la soirée des joueurs. Mais moi, j'aimerais quand même gratter quelques mots à Mathieu et Alan Oliveira. Merci Mathia.
Viens Mathieu, est-ce que tu veux dire quelques mots Mathieu? Ouais, si Alan veut venir aussi, bien sûr. Anne est la bienvenue, qui sont en train de signer des autographes. Si, viens. Allez, viens. Une dernière, bien sûr. Après, de toute façon, vous en referez après, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas les enfants. Vous pouvez aussi aller voir Nicolas pour l'instant qui est là, Mathia aussi, numéro 1 mondial. On peut applaudir, s'il vous plaît, Mathieu Guégano, Alan Oliveira, qui s'incline sur cette finale au terme d'une belle bataille, surtout dans la deuxième manche. Mathieu, première manche, ils sont au-dessus, rien à dire. Vous ratez surtout les points importants. Vous n'en prenez pas un, malheureusement. Deuxième manche, c'est eux qui font des fautes. Vous êtes là, vous êtes à deux doigts de pouvoir revenir. Mais Mathieu, à ce moment-là, remet, réaccélère. Dans le public, pourtant, on t'a poussé. Je pense peut-être comme jamais, je ne sais pas. Comment tu as ressenti cette atmosphère-là aujourd'hui, ici à Saint-Georges-d'Yvelines? Bah déjà, merci beaucoup tout le public à nous avoir encouragés. On a tout donné, on a essayé de jouer avec tout ce que avec le public. C'était compliqué pour nous. Ouais, au premier set, on a pas mal d'occasions. On n'arrive pas à les prendre, on perd plusieurs 40A. Et eux, dès qu'ils ont le lead et qu'ils sont larges devant, bah, ils jouent encore mieux et il y a moins de stress pour eux. Donc c'est encore plus compliqué pour nous de revenir. Et dans le deuxième set, on arrive à revenir grâce au public. Et ouais, on n'est pas loin de revenir à 5-4, il sert à un très bon jeu, mais dommage pour ça. Très content déjà du parcours qu'on a fait avec Alan. Et voilà, c'était cool. Hein. Merci Mathieu. Alan, tu vas faire la traduction, je vais de Mathieu. Alan, là, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Allez les bleus. Well, j'ai parlé français. Non, c'est fini. Now I speak English. First of all, I'd like to thank this opportunity to play with Mathieu. I feel really blessed, my God, to be here in France. My first time here in Royan, in this amazing country. I'm really happy for this result. For sure, I want to congratulations to Dani. Complimenti per lavoro con ragazzi, con Nico e con Mati. La meglio coppia di anno. Felicitazioni, congratulations for your work, Dani. Next time, I hope I win. And this amazing crowd. Since the beginning, it was like in Brazil here. Everybody cheering up. It was amazing. I'm really happy. So thank you very much for everyone who was here every day. Mati, all the sponsors who made this tournament happen. And now work more to keep going on until the end of the year. And today, let's eat croissant and pain au chocolat. Allez! Allez, merci beaucoup, vous avez compris, il est très content d'être là. C'est la première fois qu'il vient ici à Royan. Ça s'est très bien passé avec Mathieu comme d'habitude et il espère pouvoir faire encore mieux avec lui dans les prochains tournois. Merci à toi Alan et bien sûr à Mathieu. Je vais laisser maintenant la parole à notre Maxime Landès, notre organisateur de ce bel événement. Merci mon Guillaume et je voudrais s'il vous plaît qu'on fasse... Merci à Guillaume pour ces mots recueillis tout fraîchement du cours central. Et j'en profite entre deux tâches, Maxime, avant que tu fasses cette remise des prix de cette 13e Open International de Saint-Georges. Une belle édition, c'était un premier, $35,000, tu as augmenté de catégorie, tu t'es occupé de ce tournoi, ça a été rondement mené, il y a eu un plateau incroyable. Comment tu as vécu les choses, toi ? À de l'intérieur, quelque chose de, comme tu dis, hein, c'était fabuleux, incroyable, beaucoup de préparation forcément pour un événement de cette ampleur. On a eu un plateau sportif exceptionnel, hormis la météo un peu capricieuse. Je pense qu'on a pu voir du spectacle, on a pu voir beaucoup de monde autour de ces terrains. Et ça n'a qu'une envie, c'est de continuer pour les prochaines. Et puis, allons chercher peut-être le grade au-dessus, on va voir. L'ambition, Maxime, avec toujours autant d'ambition qui veut optimiser ses tournois, proposer des plateaux de plus en plus solides. Et il adore voir Saint-Georges se rameuter comme ça sur cette côte de beauté. Le public était plein aujourd'hui, ça fait plaisir. Et Maxime, je t'embête pas plus, je te laisse remettre le trophée au champion. Ça a été une édition magnifique, félicitations à toi.
et un grand merci à Versus. A priori, le stream a été extraordinaire, donc je pense qu'il y a une belle aventure qui commence. Merci, merci pour ces mots, Maxime. Félicitations, et je crois qu'Hugo, c'est le temps de dire au revoir à tout le monde, à tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis sur cette semaine lors du Summer FFT, lors de cet Open International. On s'est régalé, c'est avec émotion et quelques frissons que je vais vous saluer. Et Hugo, je tiens avant de te remercier, à remercier toute l'équipe de Versus. Elle a fourni un travail extraordinaire. Ils ont été exemplaires. Ils ont trouvé des solutions dans les situations les plus chaotiques, entre la météo, les connexions. On connaît tous les soucis. Et ils ont montré un visage incroyable. Merci à eux. Edou, qui est au cadre. Bravo à lui, à la régie. On salue Benoît pour ses réactivités. Au son, Mati. Et aux commentaires, à mes côtés, Hugo Kilissi, je tiens à te remercier du fond du cœur, Hugo, pour ta présence ici, ta participation au projet, ton investissement, ton expertise et ta bonne humeur. Ben, merci à toi, Max. Hein, vraiment, je pense qu'on peut tous, là, dans l'équipe, féliciter Max qui a réussi à rassembler des éléments venus des quatre coins de la France pour créer cette première hein, en streaming avec une telle qualité en France. Je pense pas trop mouiller en disant ça. On a l'Open de la Réunion qui a une très belle qualité l'année dernière. Et là, on a réussi à proposer quelque chose de vraiment intéressant, comme le disait Maxime Lahon, le directeur du tournoi. Donc on est vraiment content. On espère que vous avez pu apprécier tout ça. Et on va tout doucement vous laisser filer et peut-être se retrouver sur une prochaine compétition, Max. On espère en tout cas, on espère se revoir, j'espère réunir cette équipe. On remercie aussi Judith qui était assistante en régie, qui nous a énormément aidé pour ce studio, cette conception, cet esthétisme. Et merci à Jérôme Maillot qui a été présent avec nous, qui s'est baladé sur les terrains. On a essayé de faire des petits multiplex, des petites interviews. On se fait plaisir, on s'amuse, on essaye de vous régaler. N'hésitez pas à partager, à nous dire en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous voulez voir évoluer. On reste branchés. J'espère à très vite. J'espère vous revoir dans très peu de temps. Je vous dis au revoir. Et c'est ciao!